Bonjour. Bien manger. Je mange bien le matin. On ça toute la journée. Je te rends en forme.
toujours bien manger le matin. Pour une belle journée. Oh Dieu. Je parle de la mort. Je ne sais pas qui va mourir la semaine-ci. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour mes warriors et bonne journée. Bon début de semaine à vous tous. Bon début de semaine. Bon début de semaine. Bon début de semaine à tous. Comme on dit, chaque jour quand on se réveille, il y a le nouveau dossier. Donc, on attend aussi maintenant là, ce qui va se passer la semaine-ci.
on attend, on guette. Donc la semaine dernière était une semaine très difficile. On attend pour arriver. Ah bon, ça va arriver. C'est joli boulot, bon boulot. Je ne fais rien aujourd'hui. C'est à partir de demain. Le communiqué est sorti. Hein. Les filles qui partent toujours à l'ambassade là étant sexy. Et avec les jeans sexy, avec les jeans déchirés là, on ne veut plus ça. Vous n'entrez pas. Hein. À l'ambassade maintenant, on n'entre pas. Vous avez compris, non? Donc, vous qui partez, faites soit vos passeports, soit vos... Non, pas aujourd'hui. Je ne travaille jamais le lundi. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est tout. Si tu vas lundi, si tu travailles lundi, ne travaille pas le jeudi. Si tu travailles mardi, tu travailles parfois mardi, jeudi, vendredi. Et samedi, je fais la mise en place. Mercredi plutôt, je fais la mise en place. Prestation à la maison. Merci. Ouais. Lundi, je vadouille au quartier. Je ne fais rien du tout. Et puis, j'ai plutôt envie de faire ça. C'est un travail qui est très physique. C'est un travail qui est vraiment physique. Hein. À la cantine, il faut... Non, non, non. Ils sont en train de quitter là-bas. Bon début de semaine, Lydia Beauté. Quand on est fâché, je vous disais que pour les gens qui partent à l'ambassade là, ne vous maquillez pas comme les voitures volées là. Habillez-vous normalement, même avec un bon jogging, tu pars à l'ambassade. Ceux qui partent à l'ambassade avec les pantalons, on appelle ça comment? Ceux qui partent à l'ambassade avec les pantalons déchirés, déchirés là, on ne vous laisse plus entrer. Donc voilà. C'est ça qui est ça. On attend là où ça va sortir. Maintenant, c'est que on attend là où ça va sortir maintenant. Vous voyez, non? Merci pour les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs.
C'est le matin. Le matin, on cherche les sujets pour parler. Il y a des sujets le matin, mais je ne vais pas me bavarder le lundi matin. Nous sommes là pour s'asseoir à Meta. Je suis dans mon bureau. À Meta. Battery high. Connected to Galaxy A2 core. Karine, on s'est arrêté hier chez Karine et bien bien. On entend comment on chira la lave. Alors c'est ici qu'on était. Donc, on continue notre histoire. Vous comprenez à qui vous avez confié votre combat? Des hommes qui vont taire les malversations de leurs gens, de leurs yang-ying, de leurs amants présumés, de leurs amis. Karine Bibian. Mais quand c'est les autres, on vient les livrer à la bendite. Karine Bibian, c'est une femme camerounaise qui est à la brasse. Une maman, une grand-mère. Donc, Karine Bibian, tu croyais que quand Oshiga m'avait insulté ici, c'était que je lui ai fait quelque chose. Avec Oshiga, on ne s'attend à rien. Hein. Ce n'est pas le café. Ce n'est pas le café sur le coca. Nous ne boit pas le café. Nous boit le café. Le café de temps en temps. Donc, Karine Bibian, tu vas comprendre. Tu vas nier le. Tu crois que quand Oshiga m'avait insulté ici, là, tu serais banni. Toi, tu as seulement dit que repose-toi. Tu es fatigué. Tu as l'air dépressif et tout. Et voilà qu'on est sur Facebook. Donc il faut alors comprendre. Tu ne me connaissais pas. Tu me connaissais déjà. Oui, je sais, il a connu ça, c'est vrai. Mais toi, si. Tu t'es mis à se moquer de moi, à me faire ceci, à m'insulter dans les réseaux sociaux. Voilà alors la personne. Voilà le chica qui t'insulte ici bien. N'est-ce pas que tu es devenu ta personne? C'est bien. Bendicte populaire. Tu tapes sur toi, pourquoi? Lui nous a dit qu'il est sardinard. Donc pourquoi taper sur lui si c'est pas pour les vues? Pourquoi taper sur quelqu'un qui a déjà dit oh, ah, que moi là, moi mon chemin c'est ici? Écoutons seulement aussi. Moi je veux comprendre. À comprendre. Pourquoi taper sur quelqu'un qui a déjà assumer que lui, il est sardinard.
Et puis, tu laisses la personne qui a mangé l'argent là. Tu n'en parles pas en public. Donc, Valsero t'a dit pourquoi, ce qu'il a fait avec l'argent là. Pourquoi tu ne peux pas nous dire à nous si c'est quelque chose de ça? Oui, parce que moi, ma question que je pose tous les jours quand il parle de Valsero, je demande ce qu'il a fait avec les 5 000 euros qu'il a reçus pendant 2 ans. Toi, tu es souvent dans le live ici, tu ne réponds pas. Tu as dit que tu sais qui il est, donc tu sais ce qu'il a fait avec l'argent là. Mais tu ne me réponds pas pour que je pour fermer ma bouche. Oui, comme ça je vais arrêter. Parce que Valsero, c'est un combattant qui est écouté par beaucoup de Camerounais. Donc ce que je fais, s'il est innocent, je suis en train de nuire au combat. Alors pourquoi tu me laisses nuire au combat, Karine? Si Valsero est innocent. Si Valsero est innocent, pourquoi tu me laisses nuire au combat en nuisant à son image? Et s'il ne l'est pas, pourquoi tu le laisses continuer de manipuler les Camerounais? Et on devrait te faire confiance à toi quand tu viens t'attaquer au René Sadi, au Laurent Esso, au ceci. Quand tu laisses celui qui est à côté, ça veut dire que tu t'en prends à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dans ton clan. S'ils étaient tes yin-yang, tu ne t'attaquerais pas à eux. C'est ce qu'on doit comprendre. Enfin, c'est ce que nous, les intelligents, nous comprenons. Les groupies, les fanatiques, eux, ils sont libres de continuer à t'idolâtrer bêtement parce qu'ils ont attaché leurs organes dans ce semblant de combat parce qu'ils n'existent pas en dehors de ça. C'est devenu une petite secte, une petite colonie de vacances. Vous y tenez plus qu'au Cameroun lui-même. Mettez les j'aime sur la vidéo. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas vos partages. Sinon, je vais être obligé moi-même d'aller partager mon live. Et vous allez seulement attendre. Laissez-moi partager mon live. Alors, d'où vient-il que les problèmes de la page d'Oshiga deviennent mes problèmes à moi? À toi de nous dire comment ça se fait que chaque fois que je parle de vous, c'est où ma page a des problèmes. À toi de nous dire, Karine. Laissez-moi partager ma vidéo. La page aussi a été restreinte pendant, si je dis 1 an, c'est petit. Je ne suis pas venu pleurer ici. Tu mens. Qui a vu? Tu n'es pas venu pleurer. Et alors? Et alors? Tu n'es pas venu pleurer. Et alors? Tu as toujours dit que la fille si est folle. Et toi-même, tu es qui? Ce que tu dis, ça importe à qui ici? Toi qui? Et moi, j'ai toujours dit que vous les ouais, vous êtes bêtes. Vous êtes stupides. Alors, la vie de personne stupide, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, ma belle? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec bien ton avis? Je suis folle, mais tu es assise ici dans mon live. Vous êtes toutes assises dans mon live. Celle-là, signalez-la. Voilà. Signalez-la. Le deuxième commentaire-là. Signalez ça. Signalez tous ces commentaires-là. Voilà. Et ensuite, vous la bloquez. Vous, mes abonnés les plus fidèles, hein, vous la bloquez. Elle et tous les comptes qu'elle pourrait créer. Comme ça, elle ne pourra pas vous signaler parce qu'elle-même, c'est la vermine-là. Voilà, c'est la vermine. Signalez ces commentaires. Vous avez dit qu'ils sont très faciles à avoir. On va finir avec vous un à un. Je vais faire les lives tous les jours pour vous. Ça ne chauffe pas. Tous les jours. C'est tout ce que vous savez faire. C'est comme ça que vous êtes les insultes. C'est tout ce que vous avez. Vous ne valez rien d'autre. C'est votre niveau. Et c'est avec vous là qu'on va construire le Cameroun. Non, 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 vous allez rester ici en Beng. On ne vous ramène pas au Cameroun. Les ratés qui n'ont rien là-bas au pays là, on ne vous ramène pas au Cameroun. C'est normal que vous ne vous battiez pas pour le Cameroun, que vous vous battiez pour vos intérêts parce que vous avez tout raté. Vous êtes en Europe depuis longtemps, même un papin, il n'y a pas au Cameroun. Voilà. Vous avez tout raté. Donc, vous êtes obligé d'exister à travers
à travers le pseudo-combat que vous menez. Nous, on ne va pas vous rater. C'est secret à moi jusqu'à... Je vais ouvrir les yeux. Si je peux ouvrir les yeux à un seul Bamileke frelaté sur vos pages, je vais le faire. Voilà. Mais à part m'insulter, vous ne pouvez rien dire parce que je suis plus intelligente que vous. C'est évident, non? Vous ne pouvez rien dire parce qu'il n'y a rien à me reprocher. Il y a guerre à la basse. Karine Bibian, c'est bien. C'est pour toi. Il n'y a rien à me reprocher. Donc, vous ne pouvez que m'insulter pour essayer de me faire taire. Mais vous... Voilà. Karine Bibian, j'espère que tu m'écoutes. C'est la même joyeuse. Hein. Oshiga m'a fait ça dû ici. Parce que Oshiga, elle ne m'inquiète. Elle n'a pas commencé à insulter Natacha de Monaco. Le fait qu'elle se fâche avec moi uniquement, pourquoi? Parce que je n'ai pas pris son parti. Et comme c'est elle qui avait monétisé ma page, comme je n'ai pas pris parti pour la défendre vis-à-vis des injures qu'elle a proférées à Natacha de Monaco, seulement parce que je suis sa personne. Natacha de Monaco est ma personne. Donc, mes deux personnes s'insultent entre elles, donc je dois prendre parti. Je dois prendre parti uniquement pour elle. Et comme je ne l'ai pas fait, ma vie, elle m'a insulté ici copieusement. Ici. Vrai ou faux ici? Veuve Drogué, Elisabeth Degrépute, tout c'est comme si elle me connaissait. Elle m'a insulté copieusement. Voilà, donc Karine Bibian, te voici aussi qu'elle insulte. Donc il faut comprendre qui elle est. Uniquement parce que tu as dit que, oh, que elle est fatiguée, elle doit se reposer, c'est seulement pour ça qu'elle t'insulte. Donc il faut comprendre. Là maintenant, tu vas bien comprendre qui est cette femme. Mais vous n'y arriverez pas, mes pauvres louloutes. Pour rien, hein. Donc, vous êtes trop petite. La façon que vous venez me dire, c'est moi. Que, ouais, veuve, tu es fatiguée, repose-toi. C'est seulement pour ça, hein. Qu'elle se retourne contre la basse, elle commence à les insulter. Donc, vous, peut-être que vous, mes amis, là, vous me dites que, ouais, la veuve joyeuse, tu es fatiguée, tu as trop fait les vidéos aujourd'hui. Repose-toi, tu deviens dépressive. Elle n'a pas aimé. Le mot que repose-toi, tu deviens dépressive. C'est à cause de ça, uniquement pour ça. Parce que pour moi, je ne vois pas de problème. Si une personne te dit que ouais, si ta personne te dit que ouais, repose-toi, essaie de manger, tu as l'air fatigué, ça devient un problème. Karine Bibian, tu entends, non? Et que ça devient un problème. Au contraire, c'est un bon conseil. Alors, il y a des gens qui nous regardent à Facebook. On sait que non, le tout, la voix joyeuse est fatiguée. Le tout, non, la voix joyeuse a mal fait. Tu entends, non? Parfois, on écoute aussi les conseils. Donc maintenant, quelqu'un vient me dire que la veuve joyeuse, ah, tu manges tout bon. Comme on m'a dit, je me suis fâché. C'est autre chose. Ce n'est pas pour autant que je vais me mettre à insulter une personne comme un poisson pourri. Parce qu'une personne me dit, repose-toi. Donc, Karine, bien, ce qui t'arrive là, tu mérites. Qu'est-ce que tu croyais? Que Chica n'allait pas se retourner contre toi plus tard. Aujourd'hui, elle ne se retourne pas contre toi. Elle se retourne contre toi dans votre combat. Dans votre pseudo-combat des combattants de la basse. Donc, elle se retourne maintenant, ça a commencé à toi. Maintenant, elle s'en prend maintenant à toute la basse. Vous voyez qui est cette fille, non? Donc, d'avoir une grand-mère comme toi, hein? Karine Bibian, quand on t'entend même parler, on sent une maman qui est déjà fatiguée. Tu fais quoi avec les enfants? Tu peux accoucher au Chiga, hein? Tu peux l'accoucher, ça peut être ta fille, même ta petite fille, même. Hein? Oh, comme vos insultes glissent sur moi. Signalez ces commentaires. Signalez-la dans la paix du Christ. Voilà. Signalez ces commentaires. On va vous faire ça aussi. Voilà. Moi, j'étais à signaler. Venez vous faire, venez vous afficher ici, là, un à un. On va s'occuper de votre fuck-up. Dans la paix du Christ. Comme les signalements que vous essayez de faire ne fonctionnent plus à cause de leur... à cause du... Comment on appelle ça? À cause du logiciel, leur signalement ne marche pas. Donc, obligez maintenant de venir m'insulter. Voilà. Signalez-la, oh! Signalez. Elle vous donne de quoi la signaler depuis là. Signalez-la. Discours haineux. Harcèlement. Faites-lui ça propre.
Moi-même, quand il est fini, là, il m'assoit sur toi, il m'apage tranquillement, il m'occupe de toi. C'est un tout petit problème, ma belle. Je vais t'empêcher de souffrir comme ça pendant quelques mois. Tu vas seulement regarder de loin. Attendez, je partage ma vidéo. Moi, je suis bien avec toi, ma chérie. J'ai du travail à faire. Tu comprends? Le travail de signalement. Voilà. J'ai des imposteurs à démasquer, ma chérie. Tes insultes, la garde, ça pour tes camarades du sous-quartier, c'est entre vous. Vous allez seulement me rendre star encore plus. Parce que plus vous allez parler, et plus les gens vont chercher à savoir, mais c'est qui la fille là que tout le monde traite de folle. Et quand ils vont venir m'écouter, ils vont réaliser que finalement, je ne suis pas si folle que ça. Je suis un peu folle, mais il y a un peu de vérité dans ce que je dis. Donc, tu reconnais que tu es folle, hein? Oh là là, tu es la seule femme refaite qui est toujours laide. Oh là là, toi-même, tu n'y crois pas. J'ai des captures d'écran où vous vénérez mon corps dans vos groupes de Wayo Wayo. Où votre reine Karine idolâtre mon corps. Dis à Karine de se mettre debout, on voit. D'accord. Avant de venir me parler. Karine, merci. Dites à Karine de se mettre debout dans un seul live. De poster une photo d'elle debout dans un seul live. Et ensuite, je pourrais pleurer quand vous me traitez de laide. Ouais! Oh là là! Hey, tu m'as trop servi, ma chérie. Merci. Maintenant, il peut t'ignorer. Tu m'as donné tout ce que j'avais besoin pour m'occuper de toi. Signalez-la et vous la bloquez, elle et tous les comptes qu'elle peut créer. Comme ça, elle ne pourra plus vous signaler, mes bébés. Vous comprenez, non? Ils vont venir ici. Là, vous faites la même chose avec Sylviane Chamo. Oui. Parce que ce sont les comptes-là qui vous signalent. Là-bas, ça chaud. Tous les matins. Il y a les commentaires auxquels je ne répondrai plus parce que franchement, tu m'appelles quoi ma personne? Je dis, hein, vous, on vous a dit que je suis dans le combat pour les amitiés. On vous a dit que moi, j'allume ma caméra ici pour chercher les amitiés. Qu'est-ce que vous ne comprenez même pas en fait? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, je ne te bloque pas parce que tu es utile. Tu es utile, ma chérie. Je vais t'exploiter. Je te bloque comment? Je te bloque comment? Je dois t'exploiter, ma chérie. Je ne peux pas te bloquer. Puisque tu es une esclave. Voilà. Donc, quand ta maîtresse n'est pas là pour que tu la serves, moi, je vais t'utiliser. Je te bloque pourquoi? Non, tu peux continuer à t'exprimer. Tu es surpris. Il ne faut pas être surpris par l'être humain. Ça ne fait pas un an, ça ne fait même pas 6 mois que je côtoie cette femme virtuellement, bien sûr. Parce qu'elle et moi, on ne s'est jamais rencontrés comme ça. On ne s'est jamais rencontrés. Alors, il ne faut pas être surpris. Les gens apprennent à se connaître et quand tu connais suffisamment quelqu'un et que tu te rends compte que ce n'est pas le genre de personne avec qui tu veux traîner, ou alors quand tu te rends compte d'une imposture, moi je me dois de dire la vérité à mes fans qui ont recommencé à l'apprécier à cause de moi. Je ne peux pas me taire comme elle se tait sur Valsero. Elle vient de vous le faire comprendre. Attendez, je remets la partie là parce que... M'imposer le tapis sur Valsero si t'en as envie. Je souhaiterais que tu cesses de taper sur Valsero. Parce que moi, quand on me dit de cesser de taper sur quelqu'un, j'écoute. Je laisse à mon temps. Moi, tu tapes sur Valsero si tu en as envie. Donc, depuis que nous sommes là, nous sommes sur cette toile, la personne ne maîtrise le fonctionnement de l'autre. Ça n'a strictement rien à battre que tu tapes sur Valsero. Moi-même, je tape sur Valsero quand j'en ai envie. C'était comme de la même façon que tu ne peux pas me demander m'imposer de taper sur Valsero. C'est de la même façon que je ne peux pas t'imposer de ne plus taper sur Valsero. J'ai ma relation avec Valsero, je l'ai toujours dit, que ce n'est pas quelqu'un.
Quand tu me dis je vous ai toujours vu, toujours là, c'est depuis combien de temps? Parce que toujours, il faut bien choisir les mots. Hein. Toujours, c'est depuis combien de temps? Et malheureusement, non, nous ne sommes pas toujours allés dans le même sens. Nous n'avons pas le même discours quand il s'agit, par exemple, de l'esclavage. Elle, visiblement, elle est ignorante de l'histoire de l'esclavage des Noirs. D'accord? Nous n'avons pas toujours le même discours. D'ailleurs, même dans ces lives, je l'ai déjà contredite plusieurs fois. Arrêtez de parler de ce que vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît. Ça me gave, en fait. Et nous n'avons pas toujours le même discours, vu que moi, je clash Valsero, elle protège Valsero. Donc, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu l'écoutes? Et tu dis qu'on a toujours. Toujours, c'est depuis combien de temps? 2 mois? 3 mois? Quand je taclais sur elle avant, parce qu'avant qu'elle ne vienne faire le sitting sur mes pages ici, je la taclais avant. Ça, vous n'avez pas vu, n'est-ce pas? Je la taclais. Ce sont nos abonnés communs qui ont tout fait parce que ça faisait mal à leur petit cœur. Qui ont tout fait pour me convaincre que non, je me trompe sur elle. Ils m'ont donné un élément auquel je me suis accrochée. Et au fur et à mesure, ça n'allait toujours pas. Ça ne faisait pas sens dans ma tête. J'ai eu des retours de mes abonnés aussi ici. Et j'ai commencé à observer. Et aujourd'hui, je dis ce que j'ai observé. Et on me traite de folle, de dévergondée, de dépressive. Pourtant, c'est vous qui êtes venu vous installer sur ma page. C'est pas moi qui suis venu vous chercher. La papelée, là, elle a fini d'insulter. Maman, tu t'es fatiguée. Ma chérie, le travail n'est pas fini pour toi. Hein? Tu as fini, c'est tout. Mais tu ne tiens pas longtemps. Tu ne tiens pas longtemps, hein? C'est vous que je vais mettre en dépression. Parce que c'est la vérité sur votre idole qui est en train de vous tourmenter comme ça. Parce qu'au fond de vous, tout au fond, vous savez que j'ai raison. Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal d'admettre que quelqu'un que tu as vénéré pendant des années, en fait, est une imposture. Ça fait mal parce que ça remettrait vous-même en question. Ça vous oblige à reconnaître que vous êtes bête, que vous avez été naïf. Et ça, c'est trop dur de l'admettre. Alors, vous préférez venir vous attaquer à moi, vous acharner sur moi, créer des faux comptes pour me traiter de folle. Vous voyez toute l'énergie qu'une folle vous oblige à déployer. Ce n'est que le début. Moi, je suis à la folle. Vous, je vais vous rendre fou. Et tu vas me dire que voilà ce que Valsero est. Je sais ce que Valsero est. Vous entendez? Je suis Valsero. J'ai ma relation avec Valsero, je l'ai toujours dit. Que ce n'est pas quelqu'un qui va me dire que voilà ce que Valsero est. Je sais ce que Valsero est. Elle sait ce que Valsero est. Quand moi j'attaque son yang yin ici, son yin, hein? Quand j'attaque son yin ici, elle ne me contredit pas. Quand je dis qu'il est un imposteur, elle ne me contredit pas. Elle ne m'apporte pas d'éléments qui pourraient me contredire. Mais, elle ne l'attaque pas non plus. Parce qu'elle sait ce qu'il est, qu'elle a sa relation avec lui. On écoute la suite. Je peux décider de lui taper dessus en privé, et c'est mon droit. Ou décider même de ne pas lui taper dessus. Voilà. Je peux décider de lui taper dessus en privé, c'est mon droit. Ou décider de ne pas lui taper dessus. C'est un aveu. Ça, c'est un aveu que ce que je dis sur son yin est vrai. Là, là, la petite partie, si seulement, elle confirme que ce que je dis sur lui est vrai. Juste qu'elle estime qu'elle a le droit de ne pas taper sur lui. Mais elle a le droit de taper sur Etofis, sur Laurent Esso, sur René Sadi, sur tel, sur tel, sur tel. Hmm? Donc, c'est la même chose que vous voudriez que je fasse avec elle. Que parce que elle venait ici s'agiter dans mes lives, moi, je vois l'imposture et je me taise. Parce que j'ai le droit. Non, je vous ai dit que je vous dirai toujours la vérité. Elle a choisi la vérité qu'elle vous dit, selon ce qui l'arrange,
selon ses affinités. Ça veut dire que si elle arrive devant là-bas, ce ne sont pas vos intérêts qui passeront en premier. Ce sont ses propres intérêts et ceux de ses affinités. Je pense qu'on n'a pas besoin de se faire un dessin. C'est tout à fait... C'est vite... C'est... Et les insultes de la petite pembèche qui bavarde d'ici là en faux profil, trop lâche pour s'afficher, n'y changeront rien. Tu comprends, Mamisa? Tes petites insultes là, ça ne va rien changer à ce qui est. Et ça ne va pas me faire taire. Ce n'est pas parce que vous allez me traiter de folle que je vais arrêter de parler. C'est ça, être adulte. Donc, d'où vient-il que les problèmes de la page de Shida? C'est ça, être adulte. Donc, être adulte, c'est de venir dire aux gens que je combats pour vous. Envoyez les étoiles pour le combat. Je combats pour vous. Mais je choisis qui je combats dans le combat. Il y a des imposteurs, il y a des malhonnêtes dans le combat. Je combats, mais ce n'est pas tout le monde qu'on doit dégager. On peut garder certains parce que j'ai mes affinités avec eux. On peut garder certains corrompus parce que j'ai mes affinités avec eux. Par contre, ceux avec qui je n'ai pas d'affinité, on peut les attaquer. Venez, on les attaque. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo d'endives est à seulement 1,89€. À ce prix-là, vous allez craquer pour l'heure. Quel est ce combat? Quelle est la différence donc entre toi et les gens qui sont là-bas au pouvoir à Yaoundé, que tu dis combattre? Quelle est la différence entre vous? Parce que Maurice Kamto, qui était la tête de l'opposition, qui était l'espoir de tous les Camerounais, tu n'as pas hésité à l'attaquer, Karine. Tu n'as pas hésité à attaquer Maurice Kamto, qui était notre espoir. Tu n'as pas hésité. J'ai vu cette vidéo où tu dis clairement que parce que le MRC t'empêche de promouvoir ton litchi, maintenant c'est une affaire personnelle entre eux et toi. C'est exactement ce que tu as dit. Que maintenant tu t'attaques à Kamto parce qu'il ne peut pas attraper. Parce qu'il ne... Il ne peut pas attraper ses... Comment on appelle ça? Il n'arrive pas à tenir ses brebis. Donc maintenant, ça va devenir un problème entre vous deux. Ce sont tes paroles, Karine. Ce sont tes paroles. Parce que tu utilisais le nom du MSC pour ton litchi. Soi-disant, tu dis que tu n'es pas du MSC. Tu dis que tu n'es pas sorti à cause de Kamto pour le combat. Mais tu veux utiliser leur prisonnier politique pour générer de l'argent sur un litchi. Tu n'es pas d'un parti politique. Tu passes ton temps à combattre ce parti politique. Mais tu mets un litchi pour les prisonniers de ce parti politique. Et quand le parti là te dit que non, enlève notre nom dedans, tu sors les attaquer. Je veux comprendre la logique. Je veux comprendre la logique. Pourquoi on ne peut pas me suivre sur Facebook, Stéphanie? Qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? Je veux comprendre ta logique. Comment un parti te dit que non, n'utilise pas notre nom pour demander les litchis? Toi, tu sors attaquer Kamto. Que oui, comme il n'arrive pas à tenir ses brebis, tu l'attaques. Lui qui était la tête de l'opposition. Mais Valsero, lui, tu estimes que être adulte, c'est parti par là avec lui dans les bac-bac. Donc tu sais que c'est un flocoman. Tu sais que c'est un escroc dans ce combat. Mais tu estimes que être adulte, c'est garder ça pour toi. Parce que c'est ton yin-yang. Les gens disent que tu es sorti avec lui. Je commence à me demander si ce n'est pas vrai. Parce que je ne comprends pas.
deviennent mes problèmes à moi. La page aussi a été restreinte pendant, si je dis un an, c'est petit. Oh là là. C'était quand, maman? Tous les matins, égal à moi-même, je suis venu lancer ici. C'était quand? 30 personnes, au moins les 100, ce n'était pas mon problème. C'était quand ça? C'est un engagement, c'est un sacerdoce. Et encore que même si c'est le cas, c'était entre vous là-bas, entre les combattants. Puisque vous vous signaliez les pages entre vous. Vous vous signaliez les pages entre vous. Tu n'es pas venu pleurer. Moi, je pleure. Moi, je pleure. Parce que je sais qui le fait. Je sais qui signale ma page. L'image est freeze, hein? Ah! Parce qu'ils essayent de signaler. D'autres arrivent à voir. Mettez les likes sur la vidéo et venez vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que la page là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Expliquez-moi donc, comme si je suis folle, expliquez-moi pourquoi tous ces derniers jours-ci où je ne parlais plus de leur sujet, la page n'avait plus les signalements. J'ai remarqué ça seul. C'est depuis hier matin que les signalements ont recommencé sur ma page. Parce que c'est hier matin que j'ai recommencé à parler de toi, Karine. De vous. Et clairement de toi. Parce que je parle de toi depuis, hein, en parabole. Mais je sais que tu avais compris. Tu savais déjà que, que j'étais déjà sur tes pistes. Tu le savais. Tu le savais. C'est hier matin que ça a recommencé. Et ça, c'est un document que tu as payé. Le bénévolat plus plus. Oh là là. Je pars. Le bénévolat. Quel bénévolat, Karine? Karine, quel bénévolat? Je demande ce que vous faites avec l'argent là. Vous avez dit que vous avez acheté un bus. C'est pour faire quoi? Vous avez montré le bus. Montrez-nous les activités du bus là maintenant. Parce que c'est facile de mettre une peinture sur un bus pour faire croire aux gens qu'on va faire ci, ça avec. Et demain, on change la peinture. Montrez-nous ce que vous faites avec. Montrez-nous ce que, à quoi le bus là sert. Ce que vous faites avec l'argent là, tous les mois. À quoi ça sert? Dans tout l'argent que vous cotisez là, depuis 4 ans, c'était pour acheter un bus. Demandez à l'administrateur. La page aussi est monétisée. Donc, dans le combat, c'est une page qui fait entrer l'argent, c'est celle-ci. Et je ne sais pas combien entre. La même, la le page même truc tous les jours. Depuis combien de temps, je n'en sais rien. Les mêmes trucs tous les jours. Le radis que j'ai pu voir, c'est via la tablette-ci. Que l'administrateur a décidé, c'est lui qui a décidé, m'a dit que maman, tu ne travailles pas quand, on peut livrer quand. Quand j'ai même vu la tablette, j'ai failli le gifler que tu as mis autant d'argent sur la tablette que moi, il croyait que tu as acheté une tablette de 150 euros. Donc, ce qu'il fait avec le reste de l'argent, tu ne cherches pas à savoir. Comment tu peux te lever tous les matins, tu dis que tu engranges de l'argent pour le combat et tu ne cherches pas à savoir ce qu'on fait avec. Moi, ça m'inquiète. Ça veut dire que tu es irresponsable. Ça veut dire que tu es irresponsable. Qui gère cet argent? Pourquoi tu ne dis pas son nom? Dis le nom de la personne qui gère l'argent là. Dans quel compte ça rentre? Comment vous déclarez les impôts? Oui. Parce qu'il faut déclarer les impôts. Même une association doit déclarer. Est-ce que votre truc est déclaré? Déjà, pour monétiser une page, il faut mettre un avis d'imposition. C'est l'avis d'imposition de qui est là-bas. Ça tombe dans quel compte? Non, on ne doit pas poser les questions. Parce qu'on est folle. Pour que je travaille, je puisse travailler via StreamYard. Parce que cette tablette, on ne peut pas installer. Je ne peux pas lancer un direct moi-même via le téléphone sur StreamYard. D'où la tablette. Et il faut que je sois formé. Vous êtes
plusieurs sur la page là. Donc chacun de vous a une tablette alors. Donc on a acheté une tablette à chacun d'entre vous parce que vous êtes plusieurs à produire de l'argent sur cette page. Quand tu n'es pas en live, Max est en live. Ou alors c'est un cross-postage, peut-être. Calibri. Dette coloniale. Donc on a acheté la tablette à tout le monde alors. Il faut de la transparence. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens et vous ne leur expliquez pas ce que vous en faites. Je suis désolée. Le combat est terminé depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cet argent concrètement? Moi, je ne peux pas demander ça à Villageoise du Quad. Elle sait que c'est pour elle-même l'argent là. Elle a le droit. Si les gens sont trop bêtes pour aller lui donner sous prétexte du combat, c'est leur problème. C'est leur problème. Colin s'en a pareil. L'argent là, c'est pour lui. Il n'est jamais venu dire que c'est pour le combat. Tous les autres là qui sont dans le combat, qui ont monétisé leur page, l'argent c'est pour eux. Valcero n'est jamais venu dire que l'argent qu'elle sa page engrange, c'est pour le combat. Donc je ne peux pas lui demander des comptes dessus. En plus, il est artiste. C'est normal. Il produit du contenu. Mais vous, vous prenez tout ce prétexte-là. C'est avec ça que vous avez assis votre réputation. Que c'est pour le combat. Entre-temps, on voit Calibri qui porte des écharpes à 600 euros. Alors qu'il ne travaille pas. Et on ne doit pas poser la question. On ne doit pas poser la question. Donc tu fréquentes les cadavres pour savoir comment leurs ongles sont. C'est tout ce que vous avez trouvé. Maintenant mes ongles te font penser à un cadavre. Mais je suis en morte, non? Tu as mal, pourquoi, maman? Bref, je ne vous aime même pas, gars. Il n'est pas votre temps. Next. Et pour le faire, c'est le seul agent. Moi, j'adore mes ongles. Hormis celui qui achète les billets quand je vais à Paris dans le cadre de la lutte, je précise. Ah. Donc, paye tes billets quand tu vas à Paris dans le cadre de la lutte. Et c'était quelle lutte qui t'a emmené à Paris? Parce que moi, quand je payais mon billet pour partir marcher à Bruxelles, personne ne me payait ça. Hein. Quand moi, je partais à Bruxelles marcher, personne ne payait mon billet. Donc, on te paye les billets quand tu pars à Paris, dans le cadre de la lutte. Quelle lutte, ma mère? Quelle lutte encore? Vous avez payé, il y a eu combien de marches à Paris auxquelles tu es allé? Combien? Donc, les procès que certains font souvent aux autres, là, c'est comment vous n'aimez pas la paix, définitivement. Au Chica, hein, je sais exactement quel est ton fonctionnement. Je sais exactement. Maman, tu es énergivore, donc on se connaît. Donc, là où je suis assise, là, je suis vraiment assise en tant qu'aînée. Toi et moi n'avons aucune relation dans le combat pour que quand ça se date là-bas avec les autres, soi-disant dans le combat, je me mette à faire l'arbitre. Dans ce combat, j'ai fait l'arbitre longtemps, hein. J'ai été un bouclier dans le cadre de ce combat. J'ai décidé même... Je suis énergivore, mais c'est toi qui habitais dans mes lives, Karine. Je suis énergivore. Tu veux que je montre nos IB, qu'on voit comment tu m'envoyais sans cesse du contenu? Comment c'est toi qui me relance sans cesse IB? C'est toi qui m'écris sans cesse? C'est toi qui m'appelle? Moi, c'est à appeler, Karine. Parce que quand tu parles, on peut croire que toi et moi, on se connaît trop... Moi, c'est déjà appelé un jour. C'est toi qui m'appelles pour essayer de me manipuler. C'est toi qui as commencé à venir t'installer dans mes lives. C'est toi qui voulais toujours monter dans mes lives. Je n'ai jamais demandé à monter dans un seul de tes lives. Je n'ai jamais appelé dans un de tes lives. Jamais. C'est toi qui appelles dans mes lives. C'est toi qui veux monter dans mes lives. Jusqu'à même Félix est venu. Vous tous, vous êtes venus dans mes lives. Tous. Et tu dis que moi, je suis énergivore. On peut bouffer ton énergie, Karine. Tu dors. C'est pour ça que je sais que tu n'es pas malade. Et que c'est ta stratégie pour endormir les gens. Tu n'es pas malade. Il faut nous dire la maladie que tu as. Parce que c'est toi qui fais savoir que tu es malade. Toi qui en parles tout le temps. Alors, va jusqu'au bout. Dis-nous quelle est cette maladie qui ne te demande pas un minimum de repos pour assimiler au moins les médicaments que tu prends.
Moi, énergivore, j'étais pour faire ton énergie à quel niveau? J'étais déjà appelé, Karine. Tu sais ce que ça veut dire, énergivore? C'est quelqu'un qui bouffe l'énergie de quelqu'un. Oh, c'est toi qui habitais ici dans mes pages. C'est toi qui t'agitais ici pour exister dans mes pages. C'est toi, Karine. Alors, à quel niveau je t'ai bouffé de l'énergie? C'est toi qui es venu pomper ici sur moi. C'est toi, Karine. C'est toi qui t'inspires de mes sujets ici, Karine. Je finis de parler, tu reprends le même sujet. Avec les mêmes arguments. Bonjour, Ariette, ma mère, il faut partager, s'il te plaît. C'est toi. Alors, pourquoi tu viens inverser les rôles? Tu as même du mal à camoufler. Parce que tu veux faire genre ma petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur, Karine. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, Karine. Je ne suis pas ta petite soeur. Tu es venue ici à Paris. Je devais venir te voir. J'ai tourné comme ça. Je ne suis pas venue. Qui est énergivore? Qui collait derrière qui? Je suis venue à Lyon. Je n'étais pas cherchée. J'ai tourné mon clip. Tu es venue ici à Paris. C'est vous qui m'appeliez. Je ne suis pas venue. Tu étais à la gare là-bas. Tu as traîné. Je ne suis pas venue. Alors de quoi on parle? Qui est énergivore? Tu ne connais pas la traduction du mot énergivore? Je place les étoiles. Les vidéos qui ont fini où il y a 100 étoiles. Mais tu me fais rire. Les vidéos qui terminent avec 100 étoiles. Pardon, laissez-moi rire. Les vidéos que vous finissez à 100 étoiles, alors que vous êtes plus nombreux que chez moi. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. C'est vous qui avez des problèmes avec tout le monde. Tu me dis que j'ai des problèmes avec tout le monde. Moi, je n'ai des problèmes avec personne. Je dis mes vérités aux gens. Bonjour, Nemouam. Merci pour mes étoiles. Je n'ai des problèmes avec personne. Je dis mes vérités aux gens. C'est Karine qui a des problèmes avec tout le monde. Sandy, la Twins, je continue. Villageoise du Quat, je continue. Je continue. Tous les gens qu'elle a accueillis chez elle là, c'est vous qui avez les problèmes avec tout le monde. Pas moi. Parce que je n'ai jamais été amie avec quelqu'un ici là sur la toile. Tu as compris? Ne transposez pas vos vies sur les gens. C'est votre vie que vous racontez. C'est pas la mienne. De ne plus l'être et en accord avec ce pour qui je monte au créneau et dans le cadre du combat et un tout petit peu dans le cadre personnel parce que nous sommes devenus autre chose que des personnes qui mènent des combats ensemble. Voilà. Donc tout ce qui se passe là, Oshikaton, ta page est a été bloquée avant que tu ne te gâtes avec ces soi-disant ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas où vous voyez, mais je n'y suis pas. Tu manques, Karine. Tu manques, Karine. Tu mens et très mal. Très, très mal. Tu mens et très mal. Ta page a été bloquée avant que tu n'aies problème avec ces soi-disant wayo wayo. Arrête de mentir, Karine. Arrête de mentir. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. La personne qui est venue te dire que j'y suis là, c'est votre problème à vous là-bas. Apportez-moi la preuve que je suis dans le coquille là. Je suis quoi? La feuille, la pâte, l'huile, le sel, le piment. Je suis quoi dans le coquille qui se passe là au Chia? Tu as pris des condamnations facebookales là-bas suite aux directs et aux affrontements entre l'étoile tribune et toi. Voilà, maintenant... Elle veut mettre ça sur l'étoile tribienne. Bon, maintenant, ma page qui est signalée là, je suis en train de parler de l'étoile tribienne. Depuis hier matin que je parle là, c'est de l'étoile tribienne que je parle. C'est de l'étoile tribienne que je parle.
Ça ne marche plus, Karine. Ça ne marche plus. Ça marche sur les autres, là. Sur tes moutons, comme la petite chose qui est en train de bavarder ici en faux profil. Tous des lâches. Tous tes abonnés, c'est des lâches. Tous en faux profil. Tous sont en faux profil. Voilà mes abonnés qui sont là en train d'écouter comment je parle de toi. Personne ne t'a insulté. Par contre, ce live où tu parles de moi, on m'a traité de tous les noms. Tu n'as demandé à personne d'arrêter. Les mêmes gens qui te disaient de me boycotter, maintenant tu veux faire l'innocente, Karine. Pourtant, tu avais fait un live pour crier sur eux parce qu'ils demandaient de me boycotter. Tu veux faire l'innocente? Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Toi, tu peux brailler là-bas, parler de mes enfants. Vous, tu ne fais que montrer ce que vous êtes. Tu ne fais que montrer aux gens ce que vous êtes. Moi aussi, je peux parler des enfants de Karine. Je peux faire la même chose. Je peux dire que son mari l'a jeté, qu'elle est la seule femme qui a divorcé d'un blanc et qui se retrouve élan sans 5 francs. La seule femme qui a épousé un blanc et qui n'a pas déposé une seule petite pierre au Cameroun. Je peux faire la même chose. Tu comprends? Ouais, c'est tout ce que vous avez. Tu dis que tu veux défendre quelqu'un, mais tu insultes mes enfants. Tu les traites de bâtards. Tu penses que c'est une insulte? Vous, vos enfants qui sont nés dans les foyers, là, ils sont où? Ils servent à quoi? Ils comprennent quoi à votre combat? Moi, mes enfants, les bâtards, là, c'est eux que je prenais pour marcher dans vos combats de merde. Pendant que vos enfants qui sont nés dans un foyer, hein, ils sont assis chez eux, ils profitent des étoiles qu'on envoie à leur mère. C'est ce que vous voulez? Parce que si tu continues à insulter mes enfants, je vais descendre encore plus bas sur Karine. Je peux faire la même chose. Tu comprends? Voilà ta petite Chris M qui est venue en concert en Ben. Te voilà toujours assise dans ton lit à 13h. Toi, tu es assise où là où tu es en train de comparer? Tu as dit dans mon lit. Ce n'est pas le lit de mon mari. C'est mon lit. C'est moi qui l'ai acheté. Je peux me permettre d'être assise dans mon lit à 13h parce que je peux me faire de l'argent sans avoir à courir chanter dans les boîtes de nuit. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Chris M a 10 ans de carrière. Je n'en ai que 3. Ne me compare pas. Si tu penses que je vais l'insulter, je ne vais pas le faire. Parce que vous êtes des sorciers. C'est votre façon de fonctionner là-bas. J'ai appris grâce à Primadonna que, ben en fait, ta poitrine, ça ne doit pas nécessairement être un poids. Ça peut être quelque chose que tu peux embrace, que tu peux porter avec fierté. Ça, c'est votre façon de fonctionner là-bas. Moi-même, je suis indépendante donc financièrement. Donc, tu fermes ton clapet. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Elle ne construit pas au Cameroun, elle défend alors le Cameroun sur la base de quoi? Elle défend le Cameroun pourquoi? Pour rentrer habiter où là-bas? Elle va aller serrer avec les petits-fils dans la maison familiale? Shame! Vous n'avez pas honte? Elle va aller serrer avec les petits-fils dans la maison familiale? Moi, je suis l'aîné de ma mère. Je suis l'aîné de ma mère. Je suis héritière et chez ma mère et chez mon père. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'ambition. Célibataire de mon état, avec mes bâtards, comme tu as dit. Tu comprends? Avec mes bâtards. Vous n'avez pas les bâtards, ils sont encore assis chez vous, à l'âge adulte. Il fallait me chercher. Continuez de me chercher. Tout ce que vous avez, vous voulez descendre dans ma vie, je vais descendre dans la sienne. Tu comprends? Vous n'êtes pas fort dans ça. Moi, mais je peux le faire. Elle est de nationalité française. Qu'elle combatte donc pour la retraite française. Elle nous laisse. Moi, je suis de nationalité camerounaise. Je suis plus légitime donc qu'elle dans ce combat. Qu'elle reste avec les Français. Donc moi, je viens défendre mon pays parce que je suis camerounaise. J'ai le passeport camerounais. J'ai la nationalité camerounaise. J'aime mon pays. J'ai inculqué l'amour de mon pays à mes enfants.
C'est la plus belle preuve d'amour que je pouvais faire à mon pays. Quelle est votre preuve d'amour, vous, pour votre pays? Vous cachant vos profils pour insulter une brave dame comme moi qui éduque ses enfants. Je ne vais jamais rougir de mes bâtards. Je ne vais jamais rougir de mes bâtards. C'est tout ce que vous avez dans la bouche. Bâtard à gauche, bâtard à droite. C'est tout ce que vous avez. Vous, vos enfants qui ont grandi dans un cadre, qui sont nés en France, français, avec le père, la mère, ils habitent encore chez vous. Ils sont encore dans vos maisons à 18 ans et plus. D'accord? Ils vous répondent pendant les lives. Mes enfants ne peuvent pas me répondre. Étant bâtard. Tu comprends? Mes enfants ne me répondent pas. Mes enfants sont autonomes, étant bâtard. Mes enfants ne manquent de rien. Voilà. Oui! On voit aussi parler me serrer dans la maison d'un vieux blanc pour avoir où dormir. Tu as compris? Saleté que tu sois. Montre ton visage. 20 ans sans abri. Ah bon? Sans abri. Et j'ai encore mes enfants. J'ai encore la garde de mes enfants. Étant sans abri là, je suis allée au Cameroun au moins 6 fois. Vous qui aviez l'abri, vous êtes allée au Cameroun combien de fois? Vous qui aviez l'abri, vous êtes allée au Cameroun combien de fois? Vous qui aviez l'abri. Elle-même, elle habite où? Elle a acheté la maison où elle est là. Elle a acheté. Elle était mariée, non? Elle a acheté. Pardon, toi, je t'ai accordé assez de temps. Je continue. Ta restriction, c'est date d'avant. Je te suis. Faut pas croire. Même en différé, tu es parmi les rares personnes que j'écoute en différé. Je te suis. Donc, même si, avec le décalage, si je peux écouter, j'écoute après. Le soir, quand je me mets dans mon lit ici, ou bien quand je fais le ménage, je te mets en fond sonore. Soyons des... Oui, je suis une mère irresponsable. Va appeler la sécurité, les services sociaux, et tu fous le camp de ma page. Tu aimes trop mes enfants. C'est pour ça que tu les traites de bâtards, non? Tu les aimes tellement. Saleté que tu sois. Signalez le compte là, elle est sur Oshiga la reine Scarabée parce que je l'avais bloqué ici sur Oshiga tout court. Allez sur Oshiga la reine Scarabée et signalez le compte là. Voilà. Elle vous a donné, elle a donné largement d'éléments pour pouvoir la signaler. Signalez aussi. C'est comme ça qu'on va vous faire maintenant. Vous aussi, vous serez signalé. Et après, je vais te bloquer même sur le deuxième compte là. Tu vas aller pleurer là-bas sur la page de Karine. Parce que c'est là-bas que vous avez refuge. Moi, mes abonnés ne sont pas dans ça. Vous êtes à son image et à l'image de Valsero, les mêmes gens. Et moi qui me suis là, je ne marche pas avec une idée derrière la tête. Je la surprise va vous surprendre. Aux relations qui donnent mal à la tête. Moi, voici assise ici. Ce n'est pas ma petite soeur. Elle aurait pu être, elle a failli être ma belle-soeur. De très loin. Elle a 4 ans de moins que moi, donc on ne se baladait pas ensemble. On ne se baladait pas. Je suis assise chez moi dans cette maison. Il faut souvent regarder le passé des gens avant de vouloir les juger aussi. Sérieux. Et je viens vraiment trop en paix même. Trop en paix. Je n'ai aucun problème et je ne compte même pas avoir un problème avec toi. S'il y en a qui aiment le sang, c'est leur problème. Je vais continuer à te suivre parce qu'il y a quelque chose en moi qui me mène à te suivre. Oh là là! Oui, pour venir copier. Et maintenant, tu me suis en faux profil. Puisque depuis que je suis restreinte, je ne te vois plus. Avec ton profil, en tout cas, je ne te vois pas. Alors, on se demande quand est-ce que tu me suis. Comment tu fais pour me suivre? Parce que moi, je ne te vois pas dans mes lives. Moi, je ne te suis pas, Karine. Moi, je ne te suis pas. Tu as dit que je suis énergivore, je suis déprimée. Je suis folle. Vous me suivez pourquoi? Tu me suis pourquoi? Tu me suis pourquoi? Ne me suis plus.
va se déconnecter. Elle va me déconnecter, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas la première personne que j'écoute. Quand je dis écouter, c'est que je cherche si j'en fais un direct. Je me suis plus, maman. Le sujet ne me plaît pas. Parce que bizarrement, moi, je ne te vois plus dans mes lives. Mais dès que je prononce ton nom, allez, tu allumes ta caméra pendant que je suis en live. Dès que je prononce ton nom, allez, tu apparais subitement. On ne sait d'où. Tu apparais subitement dans mon live. Dès qu'on prononce ton nom. Dès qu'on prononce ton nom. Je n'ai pas besoin qu'elle insulte quelqu'un pour mon compte. J'ai besoin qu'elle soit vraie. Tu voulais que Karine insulte Valsero pour ton compte. Elle, c'est qui? J'ai eu besoin d'aide pour insulter quelqu'un. Ce que je veux, c'est qu'elle soit honnête. Ce que je veux quand je suis un combattant, c'est qu'il soit honnête. C'est ce que j'attends de quelqu'un qui dit se battre pour moi en tant que Camerounaise. De l'honnêteté, mais ça, c'est au-dessus de votre réflexion. Vous êtes dans les insultes du bas quartier. Parle de mes bâtards, s'il te plaît. C'est ton niveau là-bas. Ne parle pas des sujets, voilà, au-dessus de la ceinture. C'est pas ton niveau. Reste sur mes bâtards. Reste sur le fait que je suis sans abri. Reste sur ça. D'accord? C'est votre niveau là-bas. Ce que je veux, c'est qu'elle nous dise comment elle fait pour être entourée d'imposteurs et ne pas les dénoncer. Comment elle peut prétendre dénoncer les gens qui sont assis loin là-bas à Yaoundé qu'elle ne connaît pas et laisser ce qu'elle connaît à côté d'elle. Ce que je veux, c'est qu'elle me dise pourquoi je dois lui faire confiance alors qu'elle n'est pas capable de dénoncer un imposteur à côté d'elle. Pourquoi je dois lui faire confiance? Ce que je veux, c'est qu'elle me dise ce qu'elle fait avec l'argent. Qui touche l'argent des pages là? Où ça va? Comment elle dit que c'est pour le combat? Dans quel sens? Comment? Par où? Quel combat? Qu'elle nous dise pour qui elle se bat? Qu'elle nous dise pour qui elle se bat? Oui, je suis parano, fiche le camp de ma page. Voilà. Foutez le camp de ma page. Pourquoi elle suit une parano? Pourquoi elle suit une parano déprimée, énergivore? Une contradiction incroyable. Tu vas continuer de me suivre alors que je suis énergivore, Karine. D'abord, toi-même là, je ne te réponds plus pas. Et toi, tu veux me détourner de ce que j'ai à dire. Pourquoi tu suis une énergivore? Ça n'a pas de sens. Et elle a reconnu que ce que je dis sur Valsero est vrai. Sans le dire, elle a reconnu. Mais comme vous êtes tous là pour un intérêt, vous voulez les postes au Cameroun. C'est pour ça que vous vous taisez. Parce que vous avez tous les mêmes intérêts. Tout ce qui vous importe, c'est avoir vos postes au Cameroun. Vous n'êtes pas là pour les Camerounais. Ceux qui développent des sujets autrement que nous. Moi, je me nourris de ce qui a... Ce n'est pas pour rien que certaines personnes ont l'impression que je suis trop intelligent, ou je suis intelligent, ou que je sais beaucoup de choses. Non. J'ai l'esprit ouvert. Donc, même quand tu injuries là, je laisse passer tes injures là, j'écoute ceux qui, moi, me parlent. Une personne comme Nivakine, j'écoute Nivakine. Pourtant, Nivakine, c'est une machine à dire des injures. Mais il y a des moments où Nivakine sort des choses, aborde des sujets d'une façon qui peut aider une société. Non, non, maman, je ne veux pas que tu restes ici, s'il te plaît. Donc, j'ai le, vos histoires, je demande aux personnes avec lesquelles tu bagarres si elle et moi, on a causé depuis très longtemps. Oh, Karine. Où je me suis même retrouvée dans une assemblée. Arrête de mentir. Quelques sujets que oh ce sont là moi là. Qui cherchent ici. Oh là là. Donc, je ne sais pas d'où vous me voyez. Les personnes qui m'attaquent, pourquoi tu ne dis donc pas leur nom? Elles sont tes administratrices, Karine. Comment tu peux dire que tu ne parles pas avec elles alors que ce sont tes administratrices? Waouh, Karine! Mais tu ne dis pas leur nom. Oh là là! Pitiation. Vous bagarrez quelque part là-bas. J'entends que vous êtes bagarré, je viens au milieu. Pitiation. Je ne sais pas où ça a commencé. C'est comme ça qu'on règle les affaires. Tu ne sais pas où ça a commencé. Oh là là, Karine! Tu dis que tu ne sais pas où ça a commencé, Karine. Tu étais dans le live là. Tu étais dans le live là. Ça a commencé parce que j'ai reproché à Calibri de porter les vêtements de marque alors qu'il ne travaille pas.
toi, Karim, tu dis que tu n'étais pas là. Pourquoi tu étais donc sorti faire un live pour leur parler? Karine. Karine. Ta page, que c'est vrai, que ce sont eux qui ont signalé. Tu as dit que ta page a été signalée par l'étoile qui vient avant de dire que ce sont les voyous, voyons. Moi, je te suis quotidiennement. Mm-hmm. Ta page est restreinte avant l'affaire, a été restreinte avant l'affaire Martinez. Le dernier clash avec l'étoile qui vient, tu disais que c'est elle qui avait signalé ta page, que c'est elle qui veut faire tomber ta page. C'était vous. Parce que l'étoile l'a fait à un moment, oui, mais c'était vous. C'était vous. Depuis l'affaire Calibri, ça a commencé avec Calibri. C'était vous. Je le dis. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous tous, vous pouvez signaler, non? Vous tous, vous pouvez signaler. Est-ce que l'un empêche l'autre? L'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je ne m'arrête pas à tel à signaler ma page. Je suis sur une page. Je vois les restrictions que la page prend. Je ne peux pas jurer que ça vient de gauche ou de droite. Personne d'entre nous ne sait qui signale quel. La réflexion sur Nivakin me fait penser à ta diatribe. Souvent, il quoi? Je comprends pas ce que tu voulais écrire. Bref, je comprends pas. N'est-ce pas? Signalé au trans, celle-ci en fait partie. La page ici est ou orange ou rouge. Cette page-ci. Oh. M'entendez me plaindre. Oh, Karim, tu sais très bien que ce que tu dis est faux. Tu le sais que c'est faux, Karim, ce que tu viens de dire. Votre page n'a pas de restriction. Toi-même, tu m'as dit que votre page est dissociée de vos comptes perso. Donc, comment on va signaler? Comment la page va être dans l'orange, Karim? Karim. Merci, j'aime la couleur de cette page. Je parie que c'est passé au rouge depuis de longues années. Karine, arrête de mentir. La page est rouge depuis de nombreuses années. Et vous avez les publicités, vous avez tout. Vous avez tout au rouge. Et ces derniers temps, avec l'histoire de Martinez de Gauthier, faisait les lives, vous étiez 500, 400 personnes. Au rouge. Merci pour mes étoiles, Karine. Bonjour à toi. Au rouge. Oh là là, arrête s'il te plaît. Oh là là. La personne qui m'a dit d'écouter le live, si a eu raison, hein, franchement. On n'est même qu'à 10 minutes, hein, mais ce que j'ai entendu me fatigue déjà. C'est que le peu que j'ai entendu là m'épuise déjà. Mieux je laisse couler parce que franchement, si je m'arrête tout le temps, on sera ici jusqu'au soir. Est-ce que je dis bien? Moi, j'ai entendu pleurer si que la page est restreinte. Même dans mes moments d'égarement. Mais est-ce que je suis obligée de faire comme toi, Karine? Je suis celle qui demande le moins de partager. Vous faites ce que vous voulez. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Oui, parce que tu es hautaine. Parce que tu es arrogante. Pour que les pensées de certains soient réelles, je peux demander qu'à partir du mois, à partir de cette fin du mois, le 25 ou le 26, c'est passé, qu'à partir du mois prochain, là, je récupère les revenus de cette page et rien ne va faire. Mais fais-le, ça fait quoi à qui? Tout ce qu'on veut, c'est que tu assumes. C'est moi qui me lève tous les matins ici pour semer. Dis-nous donc qui récupère l'argent et ce qu'on fait avec. Nous, c'est tout ce qu'on te demande. Parce que tu prétends que c'est pour le combat. Mais récupère l'argent, assume, c'est tout ce qu'on te demande, Karine. C'est moi qui me lève tous les matins pour semer. Contre vents et marées. Je dis bien, même quand je suis malade. Oh là là, même quand je suis malade. Donc tu es malade par moment. Je me lève, je me mets ici. Je lance une bouteille à la mer. Après les Camerounais, chacun fait sa part. Ouais. Oh. Après les Camerounais font ce qu'ils ont envie de faire. Tu es sur le dos des combattants là-bas, gérer ça entre vous. Si la page, s'il doit même tomber, elle tombera.
Et je ne viendrai pas pleurer. Tu fais partie des combattants, Karine. Donc, je suis aussi sur ton dos. Parce que c'est mon énergie. Je mets mon énergie dans les luttes que je choisis. Je ne peux pas faire toutes les luttes. Je ne dis pas que la mienne est parfaite. Mais je fais ce que j'ai à faire. Ce que j'estime devoir faire. C'est l'histoire qui jugera. Ce ne sont pas les hommes. Si c'était une histoire d'hommes qui jugent les combats des uns et des autres, je ne serais plus là-bas, là-dessus depuis. J'ai, la, c'est-à-dire, la, le combat en, contre l'autre, le plus grand dans le cadre de la lutte dans, pour la libération du Cameroun, c'est moi qui l'ai sur mon dos. La campagne la plus sale. Vous êtes venu me, pleurer ici. Ah bon? Parce qu'il y a des campagnes anti-Karine Bibian-Riche. Ah bon? C'est toi qui... Oh, oh la pauvre! Oh la pauvre! La victimisation de ça. La victimisation de ça. Oh la pauvre! Oh la pauvre! Pour que ce soit vu ou dans les sous-bassements, vous m'avez venu me plaindre ici. Pas que ça fout. Chacun achète ses combats, chacun choisit ses combats. Celui-là, ce n'est pas le mien. Mais ça te dérange en quoi que je me plaigne en fait? Je comprends pas le but de ta vidéo. Ton problème est que je me plaigne que tes wayo me signalent. Je ne dois pas me plaindre. Je comprends pas. Je veux comprendre. Je ne dois pas me plaindre que tu pleures. Les trucs de manipulateurs, ça dit les, vraiment les trucs que les Camerounais font. Oh, tu pleures. Oh, tu es parano. Oh, tu es dépressif. Je ne dois pas me plaindre. Quand tu fais le combat, ce n'est pas pour te plaindre. C'est pas pour pleurer. Toi, comme tu dis que tu combats là, c'est pas les pleurs. C'est quoi alors? Et tu pleures même pourquoi? Tu as quoi au Cameroun que tu défends? Bonjour, oh, merci pour mes étoiles, Sissi. Tu défends quoi au Cameroun? Bah, toi, tu pleures pour le Cameroun, non? Non, moi, je ne dois pas pleurer pour ma page. Je ne dois pas pleurer pour ma page qui me permet de promouvoir ma musique. Mais tu as craqué, toi. Le combat est fini, toi, tu continues de faire les lives, pourquoi? Quand ça ne va pas, tu vas sur Cynthia Piangang. Tu vas sur ci, tu vas sur ça dans le Congo, ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi donc? Pourquoi tu continues de faire des lives puisque le combat est fini? C'est pourquoi? Quand tu dis qu'on te paye le billet pour venir à Paris dans le cadre de la lutte, dans le cadre de quelle lutte tu viens à Paris? Dans le cadre de quelle lutte? À quel niveau? La lutte, c'est au Cameroun, c'est à Paris? La lutte, c'est à Paris. Allons, c'est le même. Il n'y a plus de diaboliser comme moi dans le combat, c'est. Oh là là. Ce matin, j'ai encore mis les pieds dans le plat. Donc, c'est que Sandy a subi là. C'est petit. Qu'il n'y a plus de diaboliser. Sandy, ce que Sandy a subi aussi, c'est petit. Toi-même, tu étais sur elle, non? Toi-même, tu étais sur elle, non? Voilà, vous êtes bien sage aujourd'hui. Canapé Modena, le canapé convertible. Tu oses dire que tu es celle qui a le plus subi. Tu mesures ça comment? S'il te plaît. Tu mesures ça comment? Donc, comme toi, tu es celle qui a le plus subi, on doit te donner le bon Dieu sans confession. Soit disant, tu subis de la manipulation. Ça dit, quand on t'écoute,
Non, je suis de plus en plus sûre de ce que j'ai dans ma tête là. Je suis de plus en plus sûre de ça. La vidéo, si, elle l'a fait à cause d'une seule déclaration que j'ai faite. C'est une seule déclaration qui est en train d'entraîner tout ce que vous entendez là. Une seule déclaration. Une seule déclaration. J'ai juste dit qu'elle m'a demandé de me reposer quand j'ai attaqué Valsero et Jipoire Mingono, quand j'ai commencé à toucher des points sensibles. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, ça entraîne tout le live-ci. Toute la justification que j'entends-ci, toute la victimisation que j'entends-ci. Ça veut dire que tu as compris que j'étais sur tes traces depuis. Tu sais ce que je sais. Et là, tu es en mode prévision, prévention. C'est pour ça que tu me fais passer pour pleureuse, déprimée, paranoïaque, dépressive. Parce que tu sais que je sais maintenant. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Les autres aussi vont savoir. Je sais à quoi m'en tenir. Donc quand j'ai le retour de flamme, le retour de bâton, je pleure pas. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Bonjour, Ndé. Ndé a dit que je suis très belle. Il ne veut pas me prendre en troisième noce. Voici Sylviane. Sylviane, c'est ma soeur. Oui. S'il y a des personnes en qui j'ai confiance dans ce combat, Sylviane en fait partie. Si Sylviane avait signalé ta page, je le saurais. Donc quand tu dis que Sylviane a signalé, je n'ai même pas besoin d'aller vers Sylviane pour savoir qu'elle n'a pas signalé. Tu es une menteuse. Parce que même Sylviane t'a boycotté à un moment. Quand tout cela voulait me boycotter par rapport à ce que j'ai dit sur Calibri, et je le tiens de tes wayo-wayos. Ce qu'elle dit là, je tiens ça de tes wayo-wayos. Je n'ai pas inventé. N'oublie pas qu'on a des abonnés communs. Hein. Je tiens ça de tes wayo-wayo. C'est eux qui m'ont donné les noms. Des gens qui mettaient la pression pour que tu me boycottes à ton tour. Et maintenant, tu viens défendre Sylviane. Tu ne fais que confirmer. Tu es une menteuse. Et ce n'est pas la première fois que tu mens, Karine. Parce que souvent, quand tu venais te défendre de ce dont les gens t'accusaient, des fois, tu as menti. Et j'ai fait comme tes wayo-wayo font là. J'ai fermé les yeux dessus. Mais non, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas dire qu'on veut le changement en acceptant que c'est un menteur, que c'est... Non, 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 non. Parce que soi-disant, on a un attachement envers ces personnes-là. Non. C'est injuste envers notre pays, envers moi-même, envers moi. Je ne vais pas me compromettre parce que je t'appréciais. Tu mens beaucoup. Tu dis des choses, après tu essayes de les arranger. Et je vais m'atteler à le démontrer. Vous allez seulement détruire ma page là pour que je ne parle pas. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand Sylviane dit en plus qu'elle n'y est pour rien, tu veux que j'aille faire quoi? Qu'elle vienne en direct pour dire quoi? Parce que tu dis que ceux qui signalent ta page sont autour de... Ceux qui signalent ta page sont autour de moi. Apporte-moi les preuves. Je monte ici, puisque c'est sur ma tête. Apparemment, maintenant, j'ai cru entendre ou j'ai eu mal, j'ai mal aux oreilles, dire que je profite de ton aura. Pardon. Entre toi et moi, les directs de qui finissent sur quelle page? Entre toi et moi là, toi-même tu avais dit que ce que nous avons fait il y a quelques mois là, c'était ça la fabrication. Merci, si. Dans ta bouche. Moi les histoires de fabrication là, j'en tiens pas la route. L'esprit des hommes se balade à gauche, à chacun va écouter ce qu'il a envie d'écouter. Donc si nous décidons d'être à un endroit tous au même moment, qu'est-ce qu'on qualifie de fabrication là-dedans? C'est moi qui active tes revenus sur Facebook. Quand on se retrouve tous au cinéma là-bas, on a décidé de fabriquer le réalisateur. Ou c'est le hasard qui a fait qu'on se retrouve tous là-bas et que
ou bien c'est ton travail qui fait à ce qu'on se retrouve devant nos écrans à t'écouter. Pourquoi vous-même, là, vous, certains se sous-estiment souvent? Donc, tu as ton problème avec Olivier Tchanan là-bas. Olivier Tchanan lui-même, qui m'a, il fait partie des gens qui m'ont wash dans le cadre du combat, le fait sortir. Regardez Olivier... la mauvaise foi. Olivier Tchanan est avec les Wayo Wayo. Il cotise l'argent pour lui. Regarde ce que tu viens raconter. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens alors qu'actuellement, Olivier est avec vous? Oui, il t'a wash quand il était de l'autre côté. Maintenant, il est avec vous. Pourquoi tu le prends en exemple? Pourquoi tu mens, Karine? Le live, même s'il est dedans, en train de se vanter, il dit qu'il m'a rendu dépressive. Pourquoi vous avez donc cotisé l'argent pour Olivier? T'es wayo wayo. Je mens aussi. Oh là là, c'est répugnant comment cette femme ment. Oh là là. Hey, je suis choquée. Vous savez, quand ils voient une grande personne mentir comme ça, là, ça me donne la chair de poule. Je suis choquée comment tu peux mentir. Toi, tu es trop cultivée. C'est pour ça que toute ta défense, c'est insulter mes enfants bâtards. Waouh! C'est digne vraiment de quelqu'un de cultivé. Je ne discute pas avec les incultes, mais tu es sur leur page. À traiter leurs enfants de bâtards. Waouh! C'est tellement cultivé de ta part. Oh là là. Bonjour Blaise. Tchananma, qu'est-ce qu'Olivier Tchanan n'a pas dit sur moi? Des absurdités, pas possible. Si j'étais déjà susceptible, Olivier Tchanan maintenant, c'est-à-dire Olivier Tchanan, le respect qu'Olivier Tchanan a pour moi, quand nous nous rencontrons là. Si j'étais quelqu'un de susceptible, j'allais lui dire que ah, mon gars, c'est du fake. Toi, là, tu m'insultais hier. Olivier Tchanan, de la même façon qu'il m'a insulté, de la même façon, je n'ai pas enregistré. Olivier Tchanan, j'ai... Non, je ne l'ai pas, Alexandra. Nous nous sommes malheureusement rencontrés à la marche en Belgique. Malheureusement. Regardé Olivier Tchanan en face comme ça. J'ai regardé ses réactions. J'ai dit, celui-ci n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. C'est la vie qui a fait de lui ce qu'il est là. Terminé. Terminé, donc il ne peut pas fuir Olivier Tchanan. Mm-hmm. Maintenant, Olivier Tchanan ne va pas dire que lui et moi sommes dans un IB ou dans un groupe à discuter. Les histoires qu'Olivier Tchanan fait, Dieu seul sait même où il le fait. Olivier Tchanan, il pense que je l'ai bloqué, donc ses commentaires sur Internet, je ne les lis pas. Donc d'où vient-il que Olivier Tchanan est dans ce délire là-bas ou pas? Et moi, ça retombe sur ma tête, comment non? Soyons sérieux, hein. Je veux bien qu'on bouffe mon énergie, mais pour des choses qui tiennent la route. Je bouffe quoi sur ton énergie? Je t'ai appelé sur ma page un jour, je t'ai appelé dans mon eBay un jour. Je bouffe quoi sur ton énergie, Karine? J'en ai suffisamment à revendre. C'est toi qui as voulu utiliser mon énergie. Quand tes abonnés me demandaient d'aller clasher l'étoile pour toi, c'était ton énergie? Hein? Quand tu m'envoyais les trucs pour clasher tel, c'était ton énergie? Mais tu es marrant, toi. Nous sommes des adultes, bientôt 50 ans. Et je me retrouve encore dans des histoires de cours de maternelle. De temps à autre, ça fait rigoler de lui. Des cours de maternelle, excuse-moi Karina, il n'y avait pas plus agité que toi dans mes lives, hein, quand tu me parles de cours de maternelle et que tu n'es pas capable de dire la vérité à un Balcero parce que peut-être on dit qu'il a chatouillé ton kiki. Excuse-moi, tu n'essayes pas de me rabaisser. N'essaye pas de me rabaisser, Karine. N'essaye pas de me rabaisser, s'il te plaît. Tu n'as pas les moyens de le faire. Pourquoi tu as perdu ton mariage? Parce que tu étais dans les histoires de colonies de vacances. N'essaye pas de me rabaisser, meuf. Parce que moi, je suis jamais venue vers toi parce que j'ai rien à apprendre chez toi. Ouais, peut-être le vocabulaire, mais c'est tout. Ouais, c'est la seule chose que tu as de plus que moi, des fois, ouais. Le vocabulaire. Pour avoir vécu longtemps avec un Européen, c'est normal. Mais c'est tout en fait. À part ça, il n'y a rien que tu peux m'apporter, Karine.
Tu vas te dire, il n'y a rien que tu peux m'apprendre. Rien du tout. Il n'y a rien. Mais c'est pas ma façon de faire. C'est pas ma façon de faire. Là où je suis assise avec ma soeur ici, elle est jumelle. Je n'ai pas les mêmes relations avec sa jumelle. Ici, nous avons des choses en commun, le cinéma en commun. Quand vous allez, nous ne parlons pas des gens. Ce n'est pas comme ça qu'on nous a élevés. Quand nous parlons les gens, c'est que nous sommes ensemble. Ou quand nous parlons, ce sont des souvenirs, des choses qui nous ont rassemblés. Tu te souviens quand elle disait ceci? Mais c'est toi qui venais toujours faire le Congo ça dans mon IB, Karine. Karine, tu manques. C'est-à-dire, il n'y a plus Congo ça que toi sur la toile-ci. Tu veux que je dépose nos IB? Tu veux que je dépose nos IB? Il n'y a plus Congo ça que toi. C'est toujours elle qui venait me déposer le Congo ça IB. Les commentaires, moi je ne répondais pas. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Tu es partout dans les trucs de Congo ça alors que tu es censé être là pour le combat. On ne va jamais voir Villageoise du Quad dans l'histoire de Fleur de Lille. On ne va jamais la voir sur la Veuve Joyeuse. Toutes les autres là, on ne les voit pas. C'est toujours toi. Et tu dis que mon éducation, quelle éducation? Toujours en train de prôner, de parler même de ce que personne n'a vu. Quelle éducation vous a donné, Karine? Parlons même vrai. Pourquoi tu aimes toujours te vanter de ça? Quelle éducation tu as reçue? Tu aimes tout parler de cette éducation-là. Quelle éducation tu as reçue qui t'empêche de déposer une pierre dans ta famille, dans ton village? Quel genre d'éducation? Quel genre d'éducation? Tu dis qu'on ne parle, tu ne parles pas des gens? Tu adores le Congo, ça. Tu adores ça. Karine ne dort pas. Elle finit les lives. Elle se balade partout dans les trucs de Congo, ça. C'est toi qui m'envoyais même ces choses-là. Tu étais bien contente quand j'étais sur les fleurs, les choses comme ça. Tu adorais. Tu envoyais ça. Tu étais partout. Toi-même, tu disais que oh, c'est parce que tu as déjà choisi. Tu as même essayé. Tu as pris ta page Valkyrie. Tu as voulu commencer à traiter le Congo, ça, là-bas. Oui, parce que quand tu me voyais, ça te chopait le cœur. Que ouais, elle peut se permettre de toucher tous les sujets. Moi, je ne peux pas trop. Tu as voulu scinder. Tu as voulu aller sur Valkyrie pour faire le Congo ça et rester sur les Amazones pour parler des choses du combat. Ça n'a pas pris, tu as laissé tomber. Maintenant, tu assumes même le Congo ça sur les Amazones. Tu veux dire que tu n'aimes pas le... Mais tu vas dire ça à qui, Karine? Dis ça aux gens qui ne te connaissent pas. J'ai dit même à 2h du matin. Oh, Natacha de Monaco a encore fait ceci. Natacha de Monaco est en train de dire cela. Natacha de Monaco a fait comme si. Machin, dans mon IB. Pourtant, tu es dans le combat. Hein. Mais quand Balcero fait des vidéos pour encenser Natacha de Monaco, tu ne lui dis rien. Pourquoi? Mais c'est dans mon IB que tu viens poser les choses. Pour que je la clash. Oui, tu me motivais à aller clasher. Ça, c'est ce qui est vrai. Je n'ai pas dit que tu m'envoyais les clasher, mais tu me motivais à les clasher. Tu me motivais à les clasher. Et j'ai fini par comprendre que c'était pour me garder occupée. Tant que je restais dans les clashs de bas étage là, je ne m'occupais pas de vos choses du combat. Je l'ai compris après. La personne a rajouté et tout. Ça sort d'ici comme ça, commence à parler les gens qui ne sont pas là. Elle ne fait pas partie de mon éducation. Tu mens. Et je peux m'en vanter aujourd'hui. Oh là là. Je n'ai pas l'esprit qui divague. Oh là là. Je ne porte pas des accusations si je n'ai pas de preuves. Ah, moi j'ai l'esprit qui divague. Quand je suis venu vers toi, c'est parce que je t'ai vu fatigué. Et tu avais fait la même chose par rapport à moi. Tu m'as dit que je suis fatigué, que je prenne du recul. Maintenant, je te l'ai dit. Je ne t'ai pas dit de prendre du recul. Je t'ai dit de prendre soin de toi, Karine. Je ne t'ai pas dit de prendre du recul. Je ne t'ai pas dit de prendre du recul. Je te mets au défi. Dépose ça. Montre où je t'ai dit de prendre du recul. C'est toi qui m'as demandé de prendre du recul. Et qui a insisté là-dessus. Parce que moi, je t'ai dit de te reposer, de prendre soin de toi. Je me suis arrêtée là. Toi, tu me l'as sorti au moins 6 fois. Jusqu'à venir faire le live. Même quand tu venais dans mes lives, tu me le disais ici. Et ça a commencé quand j'ai commencé à parler de tes jambes.
de toucher des trucs sensibles jusqu'à m'appeler pour ça. Jusqu'à m'appeler pour ça. Te voilà en vacances. Tu es incapable de te reposer. Tu fais 15 lives par jour. Et tu vas me dire à moi de me reposer. Tu me dis à moi de prendre du recul. Que la sonnette d'alarme. Oui, il fallait tirer la sonnette d'alarme dès que j'ai commencé à voir clair sur votre relation. Valsero, J. et toi. Wilfried et Kanga aussi. Dès que j'ai commencé à émettre des doutes sur vous. Ouais. Dès que j'ai commencé à émettre des doutes sur vous, là, tu as vu qu'il fallait que je prenne du recul. Sinon, quand tu m'envoyais sur Natacha, sur l'étoile, sur Flore, sur Perpétue, sur Tel, là, tu ne voyais pas que je dois prendre du recul avec les choses des Camerounais. Pourtant, c'est ce qui me prenait le plus d'énergie. Oui, parce que quand elle me place en ligne, là, c'est les sujets-là qui me font le plus aboyer. Là, tu ne voyais pas que je dois prendre du recul. MJ, tu vas me tuer. Maintenant, il t'appelle dans MJ. Donc, pour moi, quoi? Pas là. Pour moi, quoi? Vassero, je le gifle quand j'en ai envie. Quand il fait quelque chose, là, il dit que bro, c'est comment? Chacun a sa façon de faire. Oh. C'est toi, tu penses que... Quand tu en as envie, mais tu n'en as jamais envie, visiblement. Tu n'en as jamais envie. Quand tu en as envie, mais tu n'en as jamais envie. Si pour toi, manger 5000 euros pendant 2 ans ne mérite pas explication, alors je me demande encore une fois, quel est le combat que tu mènes? Et il fallait parler de Valsero tous les jours, à chaque seconde. Tous les jours, tu as d'abord parlé quand, Karine? Tu as d'abord parlé quand? Ouais. Tu as d'abord parlé quand, Karine? Tu as d'abord parlé quand? Mais tu parlais tous les jours des taux, non? Ça, ça ne te dérangeait pas. Et toi, tu qui tu étais tous les jours, jusqu'à ce que Martinez vienne le sauver entre vos mains. Ça ne te dérangeait pas? Ça ne te dérangeait pas? Mais quand c'est sur Valsero, tu trouvais que non, c'est tous les jours, c'est exagéré. Quand j'étais sur l'étoile Cribienne tous les jours, tu ne trouvais pas que c'était exagéré? Non. Quand c'est sur Valsero, c'est exagéré. Ah ouais. Je suis qui pour te dire de ne pas le faire? Tu n'es pas en train de taper sur mon enfant? Tant bien même ce serait mon enfant. Mais s'ils sont adultes. Donc si quelqu'un commence à parler d'elle là-dehors, et tant qu'on ne me les met pas en danger, tant qu'on ne veut pas me les assassiner, tant que ce n'est que parler de mes enfants, oh. Moi-même, on parle de moi, non. Ma mère a souvent dit que c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Donc, si par rapport à moi, j'ai ce fonctionnement, t'imagines alors par rapport à quelqu'un d'autre, tu es en train de parler de quelqu'un d'autre, c'est toi qui parles, c'est toi qui entends, ou éventuellement la personne, ou d'autres personnes. Moi, je ne me sens pas concerné. Et quand tu parles et que je n'ai pas envie d'écouter, j'ai le bouton sorti de direct ici. Bonjour, Tiffy. Donc, la mère... Ce que tu es en train de faire là, tu fais du tricot. Hein. Moi-même, je te dis que moi, tu fais du tricot. Moi-même, j'ai la fin. Je ne suis pas responsable de ce que les uns et les autres font. Je ne sais même pas où ça se passe. Ça ne m'intéresse même pas. Le pire, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il n'y a pas de danger sur... S'il n'y a pas de danger, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça ne m'intéresse pas. Hein? C'est comme si c'est moi qui envoyais. Aussi que moi qui partage ce direct. Et alors, moi, mais partage ta femme, non? Je voudrais que tu te taises. Des fois, même, tu es... Non, tu as arrêté de partager, Karine. Oui, quand j'insultais juste Valsero et que je parlais juste de choses vite fait. Ouais, tu partageais encore. Et puis, il fallait bien prouver à mes abonnés que tu es quelqu'un de bien. Il fallait leur prouver. Et prouver à tout le monde. Oui, il fallait prouver. Mais dès que j'ai commencé à toucher... De toute façon, vous étiez ici, les ici, vous étiez là, vous avez vu. Dès que j'ai commencé à toucher vraiment, à me rapprocher vraiment du but
Tu as arrêté de partager. On ne te voit plus dans mes lives. Pourquoi alors? On ne te voit plus dans mes lives depuis un bon... Depuis ce truc-là, on ne te voit plus dans mes lives. Depuis que tu m'as appelé pour me dire de me reposer là, on ne te voit plus dans mes lives. Mais bizarrement, dès que j'ai prononcé ton nom hier matin ou avant-hier matin, tu es sorti. J'ai dit à peine 5 secondes comme ça là. Tu es sorti. Merci beaucoup. Voici la page que j'attendais ici. La page-ci était là. La première fois que j'ai su. Parce que je parlais encore en parabole ce jour-là, en live. Je parlais encore en parabole ce jour-là, en live. La page-ci est arrivée, que je viens d'épingler là. La page a dit ceci. C'est Karim qui a refusé que Valsero te prenne au Zénith. Moi, j'ai dit à la page là que non, je ne peux pas croire ça. Et qu'il n'y a pas d'épreuve de ça. C'est ce que j'avais dit. Même pas 5 minutes, Karine a apparu dans le live. Il n'y avait aucun wayo dans mon live. Personne n'a tagué Karine. Personne ne l'avait tagué le jour-là. Dès que la page là a dit ça, même pas cinq minutes, Karine est apparue dans le live. Elle voulait à tout prix s'expliquer, comme elle est en train de faire là. Parce que dès qu'on commence à toucher à quelque chose, dès qu'on commence à se rapprocher de quelque chose, elle sort vite. Elle sort vite. Elle a appelé ici. Commencer à s'engueuler avec la personne. Commencer à justifier, se justifier. Moi, je la défendais. Mais j'étais déjà sur ses traces. Et elle le soupçonnait, même si elle n'était pas sûre. Elle soupçonnait déjà que je suis sur ses traces. Que je vois clair. Parce que je parlais en parabole. Je demande à la Twins, il va trouver la Twins ou non, maman? Il va trouver la Twins ou pour lui demander ça. Moi, je n'ai pas son numéro. Je ne connais pas sa page. Je crois qu'elle a disparu, la Twins. On ne la sent plus. On ne la sent plus. Je m'en souviens. Puisque moi-même, j'ai attaqué la page là. Voilà. Tu te rappelles? Et mon live était très attaqué ce jour-là. Parce que justement, j'étais en train de parler des wayo. Je parlais des wayo ce jour-là. Voilà. Je l'ai laissé s'exprimer ici. Je l'ai laissé s'engouffrer. Et si vous vous rappelez, à la fin du live, là, elle a encore dit que repose-toi. Elle avait encore dit ça à la fin de son intervention. C'était comme un truc, comme un lavage du cerveau, un truc qu'elle voulait tout me faire rentrer dans la tête. Mais moi, j'étais déjà dans mes soupçons. J'étais même déjà persuadée. En fait, il me fallait des preuves. L'affaire du Zénith, moi, je n'ai pas la preuve que ce soit elle. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je suis ouverte à tout maintenant. Parce que quand je vois le degré de manipulation de cette femme, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Quand je vois comment elle est capable de manipuler les gens, ça fait froid dans le dos. Et tu crois sur Valsero, l'avait partagé. Hein? Des fois, tu crois même sur Valsero, je partage sur la page des Amazon. Mm-hmm. Des fois, tu crois sur Valsero, s'il n'y a rien de... Si pendant quelques minutes, je ne saisis rien qui pourrait être partagé sur les Amazon,
Donc, fils, quand j'arrive sur tes directs, je partage tes directs. Donc, d'où est-ce que je te voudrais du mal, sérieux? Hier, tu étais sur mes directs. Avant-hier, tu étais dessus. Tu n'as pas partagé. Mais tu es sorti pour faire ce direct-ci pendant que j'étais en direct. Et j'ai commencé à trouver que j'allume ma caméra. Moi qui t'ai cédé la matinale, pour une fois, j'ai allumé ma caméra ce jour-là. Le matin, parce que j'étais tombée sur un truc qui m'avait tellement choquée que j'ai pas pu me retenir. C'était la vidéo où le roi Bamoun, pour faire la paix avec les Tikars, il avait dit que oh, il y a les voisins qui veulent les mettre dans, qui veulent les attirer dans leur truc pour déstabiliser le Cameroun. Moi, j'avais conseillé qu'il s'adressait au Bamileke. J'ai allumé ma caméra. Pendant que j'étais en live, où je suis en train de parler du tribalisme, quelque chose qui est quand même important, vu tous les Bamileke qui te soutiennent, Karine, et toi qui m'entends que tu n'es pas Bamileke, n'es pas tribaliste, j'ai allumé ma caméra ce jour-là pour reprocher au roi Bamoun sa sortie. J'ai vu Karine à la fenêtre et Karine est partie allumer sa caméra pour faire son live, parler d'autre chose. Ma page était restreinte. J'étais en train de parler d'un sujet important sur le tribalisme. Karine m'a vu en live et elle est partie allumer sa caméra. D'accord? Et la même période, elle avait commencé un truc. Elle avait commencé un truc. Quand j'allais dans ses lives, elle faisait comme si elle ne me voyait pas. Je commentais. Elle faisait comme si elle... Je dis, je pouvais rester 30 minutes, une heure. Et je faisais exprès. Parce que tu peux venir 10 minutes, tu dis que bon, peut-être elle m'a pas vu. Mais tu ne peux pas être active dans un live pendant 30 minutes, pendant une heure, et la personne prétend ne pas te voir. C'est impossible. Pendant qu'elle commente tout ce que les autres font. Les commentaires au-dessus, en dessous de moi. C'est impossible. Mais elle venait tous se faire voir dans mes lives. Après ce qu'elle a fait là, que pendant que j'étais en live pour dénoncer le tribalisme, elle allait allumer sa caméra. Après ça, j'ai commencé à lui faire la même chose. Elle est entrée dans un autre live, elle parlait en bas, je faisais comme si je ne la voyais pas. Je lui ai fait la même chose une seule fois et elle a su. Puisque moi j'ai l'habitude de citer les noms de ceci, moi ça ne me dérange pas. Donc elle a compris, parce que c'est ce qu'elle fait aussi. C'est ce qu'elle m'a fait, donc elle a compris que je suis en train de lui faire la même chose. Et quand j'ai fait ça, une autre fois, le lendemain ou deux jours plus tard, je faisais un live. Elle est passée dans le live. Elle s'est arrêtée. Non, c'était le même jour même. Comme elle parlait, je ne la calculais pas. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que oui, c'était une matinale. Hein? J'avais fait ça. Quand j'ai vu ça, elle dit que ok, moi, je vais reprendre ma matinale. Si vous vous rappelez, j'avais commencé à vous dire que, gars, je me suis rendu compte que je fais les lives une seule fois par jour. C'était à elle que je parlais, en parabole. Oui. Pour vous dire depuis quand je suis sur cette trace, que je ne me lève pas comme ça pour parler. Vous qui me suivez ici depuis, vous vous rappelez quand j'ai commencé à dire ça, que non, on va recommencer nos matinales. Parce que je me rends compte que je me laisse bouffer. Je n'avais pas dit de non. Donc le jour-là, elle est venue dans mon live, elle bavardait comme elle s'agit souvent là pour que je la calcule. J'ai fait comme si je ne la voyais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là, elle a écrit que oui, je vais attendre que tu finisses avant de lancer ma matinale. J'ai dit, ah. Donc, tu comprends. Donc, l'autre jour, quand tu es parti lancer pendant que j'étais en live, tu savais. Donc, tu sais que où je suis là, je ne suis pas très contente. Hein? Moi, je sais qui est derrière le profil C. Dans ma personne, il faut venir m'écrire inbox. Je sais que c'est toi.
Viens, on va se parler. Vous faites comment pour salir les gens sans preuve? Ah bon? Donc, quand toi, tu me traites de sans-abri, c'est parce que tu as les preuves. Ou quand tu traites mes enfants de bâtards, c'est parce que tu nous connais quelque part. Ah bon? Donc, quand moi, tu me salis, c'est parce que tu as les preuves. Ça vous fait mal? Tu n'as pas encore fini de pleurer. Vous allez bien pleurer. Il va vous traiter sur la toile, si. Non. Moi, je mettais direct sur la page des Amazon qui a des milliers d'abonnés. Qui a 19 000 abonnés. Et moi, j'en ai 52 000. Donc, s'il te plaît, hein. S'il te plaît, Karine. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que moi aussi, je partageais tes lives? Dans plein de groupes. Toi, tu me mettais sur une page de 19 000 abonnés. Moi, je te mettais dans tous mes groupes. Mes groupes à moi. Je te mettais même sur la page d'Amazon là. Pourquoi tu ne dis pas aux gens? Pourquoi tu veux faire genre, c'est toi qui m'as trop boosté? Pourquoi tu es de mauvaise foi comme ça? Je n'ai jamais dit que Karine a commencé, que j'ai commencé les matinales avant Karine. Quand elle dit que le cerveau là, c'est un muscle, il faut s'en servir. Je n'ai jamais dit que j'ai commencé les matinales avant Karine. J'ai dit que moi aussi, j'avais mes matinales. Est-ce qu'on était amis? Moi, je gérais mon truc de mon côté. Chacune gérait ses ways de son côté. Moi, j'ai cédé ma matinale parce qu'on a commencé à avoir des abonnés communs. C'est que le français est compliqué. Tout ce que tu connais, c'est les gros mots. Les mots du quartier. Je sais que tu ne comprends pas bien, mais tu vas apprendre d'ici. Tu vas sortir d'ici, tu vas apprendre au moins quelques mots. Je n'ai jamais dit que j'ai commencé les matinales avant elle. J'ai dit que j'avais mes matinales. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne comprends pas en fait. Et tu dis 6 ans, c'est faux. Elle-même, elle a dit 4 ans. Toi, tu dis 6 ans. Choisissez, hein. Elle a dit 4 ans. Toi, tu dis 6 ans. Des milliers, je ne cherche pas à comprendre. Nous avons des gens en commun. De la même façon que les gens ont commencé à te suivre en te découvrant sur la page des Amazon, c'est de la même façon que les gens... Non, s'il te plaît. Personne n'a commencé à me suivre, à me découvrir sur la page des Amazon, Karine. Tes abonnés étaient déjà chez moi avant que toi, tu n'arrives. S'il te plaît. Les Sylvianes étaient déjà chez moi avant que tu n'arrives. Et quand je te taclais, elles ne t'ont jamais défendu. Les Tontinard et Marcel étaient déjà sur ma page avant que toi-même, tu n'arrives sur ma page. Donc, avant que tu ne me partages là-bas. Encore un autre mensonge. Encore du mensonge. Non. Celles qui sont venues après là, c'est les Josiane Nenda, hein, les Josie Traoré, qui n'ont même pas duré ici. Hein. Zola Sankara était déjà ici avant que tu ne me découvres. Elle a disparu du jour au lendemain, mais elle est touchée. Quoi. Ils sont pleins qui étaient déjà chez moi avant que toi... Tu ne viennes ici pour commencer à me partager. Dès que tu es arrivé sur ma page, que vous êtes bien installé, dès que j'ai dit un mot sur Calibri, c'est là que ça a commencé. Elles ont commencé à déserter une à une. Et à la fin, tu as été la dernière. Mais on apprend par toi-même que tu continues de me suivre, ma enfant sonore, avec ton faux profil. Tu ne commentes plus alors qu'avant, tu étais hyper agité ici. Allez comprendre. Comment elle s'appelle? Gina Mani. Elle était ici. Avant que tu ne commences à me partager là-bas. Elle était là ici.
Elle était même sur YouTube. Je continue de citer. Ou je m'arrête. Tous ces gens-là sont venus chez moi parce que je défendais les Bamileke. Ce n'est pas parce que tu me partageais. Quand tu as commencé à me partager sur ta page, ce sont les gens toxiques qui se sont retrouvés chez moi. Les Minomania, c'est après là, oui. Elles sont venues avec toi. Elles là, elles sont venues. Les étonnes de luxe, elles sont venues avec toi, oui. Les Traoré, les Parfums Bok, oui. Gens qui n'ont pas fait long sur ma page. Hein. Puisqu'ils étaient là parce que je clashais les gens qui les arrangeaient. Parce que je clashais les gens qui les arrangeaient. Ta page nous suit. D'où vient-il que pompe ton aura, maman? Ça vient d'où? Ça vient du fait que tu reprends mes sujets et que tu reprends mes arguments. C'est de là que ça vient. Ça vient du fait que tu aies commencé à essayer de t'exprimer comme moi. Ça vient de là, Karine. Si même une Ivoirienne s'en est rendue compte, Karine, combien de fois mes abonnés? Oui, parce que j'ai des Ivoiriennes ici qui ont commencé à te suivre à cause de moi. Peut-être tu étais ici. Comment même des Ivoiriens se rendent compte du mimétisme? Ouais. Si vous dites la vérité un jour, ça va vous enlever quoi? Un seul jour. Chayou! Viens. Kéro, tu cuisines quand? Toi-même, tu es assis sur ma page, tu as cuisiné à quel moment? Oui, j'ai tellement peu d'abonnés que je les connais tous. Je n'ai pas besoin d'avoir toute la planète entière. Toi-même, je te connais. Parce que tu es assidu ici. Ouais. Mmh. Ouais. Moi, le bâton. Conseille-moi, s'il te plaît. Allez, maman, encore? Bien sûr. Quoi? Rien. Oui. Y a les Noé. Non. Faut aller chercher. Viens pas avec lui. Hmm? Je veux pas venir avec lui. Je veux rester avec toi. Mmh, tu peux rester avec moi, maman. En collaboration, nous n'étions pas en collaboration. C'est elle qui a commencé à venir habiter sur mes pages. On avait des abonnés communs. Pendant que je la taclais ici, puisque je lui reprochais déjà à l'époque de ne pas exposer les gens qui sont autour d'elle, je lui reprochais plein de choses, je posais plein de questions. Je lui reprochais son tribalisme. Ses abonnés qu'on avait en commun, ils supportaient ici, dans le calme, jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Non, Oshida, repose-toi. La main, tu perds pied. C'est pour cela que je t'ai demandé de lever le pied. Il n'y avait rien de caché dedans. Hein? Tant que tu tapais sur Valcero ici, tu n'étais pas sur la route de la déprime. Et quand je te l'ai dit, s'agissait de l'affaire, moi-même là, je crois que je déprime. L'affaire Martinez nous a foutu un coup. Tu m'as dit ça à quel moment? Pour dire que c'est parce que je voulais que tu... Tu ne m'as jamais dit ça. Tu ne m'as jamais dit ça. Je voulais plus que tu abordes certains sujets. Soyons sérieux. Là, tu déprimes vraiment la mère. Oui, prends du recul. La fatigue physique, on peut la gérer. Mais quand ça attaque le moral, c'est mauvais. C'est mauvais. Très souvent, je t'écoute, je ne lis pas les commentaires. Donc, ce que les gens posent ici, ça, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que les gens posent là. Quand ils veulent lire les commentaires, je prends un sujet, je le suis. Tu mens, Karine. Tu mens. Puisque tu as lu les commentaires de Topo du Quat ici avant de sortir. Ouais. Ouais. Ouais, que le mensonge, vous avez fait quoi?
Chauffe le haricot à part, hein, Sayou. Ne chauffe pas le bâton dedans. Ne chauffe pas le bâton dans le plat, sinon ça va devenir un peu dur. Chauffe juste le haricot. Et ensuite, tu vas mettre le bâton dedans. Un qui sorte comme ça, comme le popcorn, je ne gère pas. Je pense que j'ai du cerveau, j'ai pas cette capacité-là. Il y en a qui ont cette capacité de lire tous les... Vous allez chez un angoisse là-bas, il a... Il lit tous les commentaires. Je sais pas comment il fait, moi je peux pas. Ouais. Merde, Karine. Non, tu es forte. Tu es forte. Donc, tu sais tellement bien ce que tu fais. Tu connais les éléments que j'ai. Tu es venu d'avancer. Tu es forte, maman. Je te donne les mains. Je te donne les mains, Karine. Ouais. Je te donne les mains. Donc, ici, quand je veux suivre un commentaire, un sujet abordé dans un commentaire, j'appuie dessus, je lis depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce sont des commentaires qui sortent comme des spots là. C'est pas dans ça. Tu mens. Des fois, j'écoute comme la radio. Tu mens, Karine. C'est toi que j'écoute. Tu peux aller. Tu peux aller. Tu mens. Tu pourras. Consommation, tu pourras aller servir maman. Moi, je vais acheter une. Je vais acheter une. Puis, je voudrais sortir tout à l'heure. Tu vas aller où? Oh, bah, comme un peu d'avant. Ok. Ouais. Ouais, ok. Mais est-ce qu'elle vit dans ce pays? C'est une blédarde, non? Faut la laisser. C'est pour ça que moi, je lui réponds même pas. Laissez-la montrer ses limites intellectuelles là-bas. Son inculture. Est-ce que c'est une blédarde? Elle ne vit pas ici. C'est une blédarde. Moi, je la connais, ce compte-là. C'est la personne qui parlait, qui avait dit que le 117, elle voulait parler du SAMU. Elle a dit 117. C'est une blédarde. Elle ne connaît rien d'ici. C'est quelqu'un que j'ai bloqué. Yeah, elle ne sait pas comment elle apparaît même encore. Parce que je suis avec le logiciel. C'est pour ça qu'elle apparaît. C'est quelqu'un que j'ai bloqué depuis. C'est quelqu'un que j'ai laissé là s'exposer. Voilà. Laissez la raconter des mensonges. Moi, j'ai dit que j'ai pas aimé dans mes copier. J'ai dit que Natacha de Monaco, oui, même elle m'a copié, oui. Oui, oui, oui. De temps en temps, mais pas beaucoup. Tout ce que tu racontes là, c'est toi-même, hein, ce sont tes élucubrations. Mais maintenant, moi, je te laisse babader. Je n'ai pas le temps, mon frère. Tu lis les commentaires. Tu manques, Karine. Non. Tu lis les commentaires. Et même tes abonnés qui t'écoutent là et qui ne disent rien, eux-mêmes, ils me font pitié parce que tu lis souvent leurs commentaires. Tu as commencé ça quand tu as vu comment je le faisais. Voilà. Tiens, maman. Merci, mon bébé. Je t'ai ramené un plateau. Merci, mon bébé. Oh là là. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Pendant que vos enfants vous répondent en live. Moi, mes enfants me traitent comme une princesse. C'est elle qui me demandait que je cuisine quand là. Voilà. Je sais ce qu'on appelle une maman organisée. Tu vois un peu. Pendant que toi, tu te demandes quand je cuisine. Pendant que tu te demandes quand je cuisine. Moi, elle te montre donc. Je mange déjà. Pendant que tu te demandes quand je cuisine. Moi, elle mange déjà. Pendant que tu es sur mon live. Et que je te tiens sur mon live. Bâton. Haricot. Oh là là. Maman. Maman, trop adorable. Mes bâtons. Tu as tout mis ça, où? Ouais. Mes bâtards, hein. Désolé, je ne suis pas en mesure de vous donner votre position géographique. Souffre. Je n'ai aucun problème avec toi, je compte même pas l'avoir. Non, je compte juste dire aux gens que je suis dépressif. Une restriction, une punition de Facebook. Comment j'ai eu ici? J'ai eu une punition, la même punition que toi, donc mes postes relayés au bout. S'il y a l'historique là, je te montre ça. Et c'est passé du camion qui m'avait signalé.
J'avais dit dans un commentaire qu'il méritait d'être massé violemment avec l'arbre de la paix. Il a signé un commentaire. J'ai pris mon j'ai chopé ma suicide. Pour une fois que... Donc, en même temps, tu dis que la réception vient de Facebook. En même temps, tu dis que c'est Amé qui t'a signalé. Donc, moi, ma part, c'est la réception vient de Facebook. Et toi, ta part, c'est Amé qui t'a signalé. Tu t'embrouilles même en voulant manipuler les gens, c'est ce. Oui, je ne me suis pas lavé, je ne me laverai même pas. C'est mon corps. Comme tu étais avec moi, avant que je n'allume ma caméra. Si tu veux, je ne me lave même pas. Moi, je suis mariée. Va me fermer ça. J'ai les comptes à rendre. Moi, même si je veux dormir comme ça, c'est ça qui mène le combat. Combat. Tu vas tout dire. Ah bon? C'est un enfant de 8 ans qui me fait à manger. Mais si mon enfant de 8 ans me fait à manger, c'est que moi, j'ai tout réussi. Si mon enfant de 8 ans peut me faire manger, c'est que je suis une mère merveilleuse. Ça veut dire que je lui ai appris à faire manger à 8 ans. Il est autonome. Oui, oui, oui. S'il peut faire manger, c'est que c'est moi qui lui ai appris. Tu vas tout dire, tu vas souffrir là. C'est mais ça, tu vas écouter. La punition là, elle vient d'un tel. Parce que la notification était tombée sous mes yeux. Sinon, on m'en fout. Point punition. Donc pour toi, tu sais que c'était Amère Kamer, mais moi c'est Facebook. Violemment avec l'arbre de la paix. Il a signalé un commentaire. J'ai pris mon j'ai chopé ma suicide. Pour une fois que je savais que voilà la punition là, elle vient d'elle. Parce que la notification était tombée sous mes yeux. Sinon, on m'en fout. Point punition. Il n'est qu'à apprendre à écrire. Voilà, la notification est tombée sous tes yeux. Moi, c'est tombé sous mes yeux, mais moi, je suis dépressive. Moi, je manque. Mais toi, papa, c'est vrai. Si tu estimes que je maltraite mes enfants, mais tu appelles les services sociaux, pourquoi tu es sur ma page en train de bavarder, les traiter de bâtards? N'oublie pas de dire aux services sociaux que tu as traité mes enfants de bâtards. Appelle-les. Laisse-la, elle manque aux gens. Voilà, merci Alexandra. La manipulation, hein. Écoute encore. Violemment avec l'arbre de la paix. Il a signalé un commentaire. J'ai pris mon j'ai chopé ma suicide. Pour une fois que je savais que voilà la punition, là, elle vient d'un tel. Parce que la notification était tombée sous mes yeux. Sinon, on m'en fout. On ne dit jamais que c'est tel qui t'a signalé. Elle dit une chose et son contraire. Elle a dit que moi, elle ne peut pas savoir qui m'a signalé, mais elle sait que c'est Amère Kamer, qu'on lui a donné la notification. Tu connais la notification qu'on m'a donnée aussi? Vous allez lire avec moi ici. Ça va faire mal. Rien va me tuer. J'ai dit qu'un enfant de 8 ans qui sait couper mon frère. Ouais. C'est la magie. C'est la magie. Attendez. Il n'est pas une punition. Il n'est qu'à apprendre à écrire d'une façon indétectable. Est-ce que tu parles avec ton faux compte? Tu es restreinte. Tu as pris la dernière punition là. À cause de tes chamailleries avec l'étoile tribune. Elle dit mes chamailleries. Elle ne dit pas que ma dernière chamaillerie avec l'étoile tribune, c'est elle que je défendais. Regardez la mauvaise foi. Mes chamailleries. Je vous ai dit comment j'ai pris ma dernière restriction. La première, c'est Olivier Tchanan, qui est votre nouvelle recrue. Et là, je ne parle pas des restrictions, je parle des signalements. Ce n'est pas la même chose. Signalement de page. Ce n'est pas la même chose. Les restrictions, c'est sur les commentaires. Les signalements,
perturbe ta page et l'audience. Tout comme les restrictions d'ailleurs. Donc quand tu as les deux à la fois, ça donne un cocktail terrible. La première restriction, je l'ai eue d'Olivier Tchanan. La deuxième, c'était un commentaire que j'ai fait sur l'étoile cribienne, sur ta page, pour te défendre toi. Et quand je suis sortie la clasher, c'était pour toi. Ça, tu ne dis pas aux gens. Tu dis vos chamailleries. Tu ne dis pas aux gens que c'était pour toi. Et que c'est toi, tes abonnés, qui me taguaient comme des fous. Que non, il faut que ce soit aussi là qui s'occupe d'elle. Parce que vous savez que Karine n'a pas la carrure pour s'occuper de celle-là. Vous savez qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait fini avec Karine. Et que Karine ne pouvait pas répondre. C'est pour ça que vous vouliez que ce soit moi. C'est pour ça que vous vouliez que ce soit moi, bande de lâches. Allez vous acharner sur les toits qui viennent, ça vous a dépassé. C'est sur moi? C'est sur moi? Ma mère, ça avait le temps, hein? C'est pas en un jour. Tous les jours, tu le prends, tu le mets devant la casserole. Bon, il fait des plats simples. Les œufs, les steaks, les pâtes. Les trucs, les grillades, tu vois. Bon, de temps en temps, quand il fait des choses comme le haricot, les sauces, je le mets quand même à côté. Pour qu'il regarde, de temps en temps. Je lui montre le processus. Mais je ne lui ai pas encore fait faire. Et le jour où tu veux lui faire faire, tu restes à côté. Tu lui dis juste que mets ça. Parce que s'il fait lui-même, ça va rentrer plus. Mais tu restes à côté. Tu lui montres. C'est mon fils qui coupe les oignons quand il cuisine. C'est lui qui coupe les légumes. Ça, d'office. C'est lui qui coupe tout. Donc il sait déjà, il a déjà retenu tous les ingrédients qu'il faut. Dans une sauce ou dans un truc. L'ail, tout ça là. Tu mens. Toi là. C'est toi qui mens. Tu veux me monter contre mes abonnés. C'est toi qui mens. Parce que moi, je suis allée regarder là-bas. Je n'ai pas vu le commentaire d'Alexandra là-bas. Donc, tu arrêtes ça. C'est toi qui mens. Vous ne savez que ça est fait, ça est que la manipulation, c'est tout ce que vous connaissez. C'est tout ce que vous connaissez. La manipulation. Vous avez fini de les signaler, maintenant vous voulez me monter contre eux. Vous mentez. Je vois mes abonnés sur les autres pages. Je les vois. Un compte que je n'ai jamais vu ici chez moi. Il a un faux profil. Il veut venir me faire douter de mon abonné payante. Mais tu as très mal choisi la personne. Il fallait choisir quelqu'un d'autre. Ça pouvait avoir une chance de passer. Pas Alexandra. Il y a des gens ici. Vous ne pouvez pas me monter contre eux. Vous ne pouvez pas. N'essayez pas. Continuez seulement de les signaler comme vous essayez là. Battez-vous avec ça. C'est tout ce que vous pouvez faire. Tu me fais rire. Vous êtes malheureux. Voilà tes abonnés, Karine. Merci, Sissi. Voilà de quoi ils sont faits, tes abonnés. Voilà de quoi ils sont faits. Voilà de quoi ils sont. Voilà les gens que tu nourris depuis 4 ans. Voilà tout ce qu'ils sont capables de produire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton aura qui se déverse sur eux. Toi-même, tu es fausse. Donc, ils sont faux comme toi. Ils sont faux comme toi. Parce que les énergies s'attirent. Comme ça, toi et moi, ça ne pourrait pas durer. Je vous ai toujours dit ça. Ça ne peut pas durer. Moi, ça tchakala très vite. Quand quelqu'un est un jar là, ça ne peut pas durer.
Je dis qu'elle a choisi la mauvaise personne. Parle de tout le monde, pas de tata Alexandra. Pas elle. Pas elle. Tu as choisi la mauvaise personne. Ouais, Asia. Comme j'étais en train d'expliquer pour vos enfants, tu le prends, tu le mets à la cuisine, il coupe tous les comment on appelle ça, il coupe tous les, tu lui apprends à couper les légumes, tu l'habitues à ce que ce soit tout le temps lui. C'est comme un rituel. Il va s'habituer aux éléments déjà qui composent nos sauces. Tu commences par là. Ensuite, le jour où tu cuisines, maintenant, tu l'appelles. Enfin, le jour où tu choisis plutôt. Le jour où tu n'es pas pressé, parce qu'il ne faut pas être pressé. Si tu es pressé, ça arrive. Les week-ends comme ça, tu l'appelles. Tu lui fais suivre le rythme. Tu lui dis, voilà, verse d'abord les oignons. Il baisse. Il regarde. Tu lui dis que voilà, quand les oignons sont à tel, selon comment toi tu cuisines, quand les oignons sont à tel, ont tel aspect, verse-ci, selon tes ingrédients. Ça devient un rituel qui va retenir. Mais c'est lui qui fait le geste. Pas à pas. Verse la tomate. Dès que tu vois que la tomate colle déjà un peu dans le fond, tu goûtes. Si la tomate est acide, c'est qu'elle n'est pas encore cuite. Tu rajoutes encore un tout petit peu d'eau. Tu fais ça. Tu fais. C'est lui qui fait. Toi, tu lui dis ce qu'il fait et tu es à côté pour contrôler. Et quand il va finir et qu'il va goûter et qu'il va voir que c'est bon, il sera tellement fier. Qui voudra le refaire une autre fois? Encore, tu le fais avec lui jusqu'à ce que tu aies l'impression que c'est bien intégré. Et puis, c'est bon, hein? C'est bon. Moi, mon fils aime les pizzas. On achète les pâtes. Il y a les pâtes qui sont derrière la tomate, là. Voilà. On achète ça. Donc, on met ta tomate. Maintenant, il choisit. Il y a le saumon au frigo. Il y a les lardons. Il y a plein de trucs, il y a les œufs, il y a le gruyère, il y a les choses que j'ai toujours. Donc, il choisit sa mixture, il met, il y a Internet. Leur rappeler aussi qu'ils peuvent toujours compter sur Internet. Ils peuvent fouiller sur Internet s'ils ne sont pas sous doute pour voir le cheminement. Tu veux faire ta pizza, regarde sur Internet ce que tu dois mettre avant. Il va mettre, tu lui dis, tu lis toujours sur le carton, à combien de temps préchauffer, combien de température. Et ça va rentrer. Et c'est parti. Maman, les voyous sont là. Vous êtes venu pour m'insulter. Déchargez-vous et mettez-vous à l'aise. Parce que j'ai vu le travail que vous faites là-bas déjà chez votre mère. Qu'il a dit, si tu as utilisé les toiles qui viennent, donc maintenant, ça vient de chez moi. Pourquoi non? Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que tu es sur Valcero, maman. Le nombre de personnes qui a sur la page de Valcero, contre Valcero lui-même. Oui, mais les personnes là, ce n'est pas moi. Si tu prends l'ensemble de tes vues, tu prends l'ensemble des individus sur la page de Valcero, chez lui à domicile, qui le gifle tous les jours. Oui. Tu penses que eux, ils sont nombreux. Moi, je suis seule. Donc, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Et toi, tu t'es rapproché de moi. Donc, j'étais plus contrôlable que ces gens-là qui ne vont jamais se rapprocher de toi. Tu vois un peu? Qui sont pour la plupart même déjà en faux profil. Donc, tu vas les approcher comment? Eux, ils ne sont pas moi. Ils n'ont pas ma force de persuasion. Ils n'ont pas ma capacité d'analyse. Tu ne me la fais pas. Il a besoin que quelqu'un d'autre le gifle, un individu le gifle, déclenche, je ne sais pas combien de vues. Pour l'ensemble de son œuvre sur sa propre page déjà. Il y a des personnes qui sont installées là. Pour lui dire qu'il faut pop. Donc franchement, tu là où je suis assise là, je suis bête. Est-ce que moi je mesure très vite l'impact. Et le fait que tu sois sur Valcero ne dérange en rien mon travail. Ne dérange en rien mon travail. Mais alors, pas du tout. Hein. Nous sommes dans la sélection naturelle. Je ne suis pas là pour m'imposer aux autres. Je ne suis pas là pour que les gens pensent comme moi. Je n'ai jamais eu la prétention d'être parfait. D'être même potable.
Je l'ai toujours dit, même dans le cadre de ma vie privée, je ne veux pas qu'on... S'il fallait cloner les hommes, je ne souhaiterais pas qu'on me clone. Dans moi-même, là, il y a une Karine de trop. Oh. Contre mes propres démons. Mm-hmm. Non, soyons sérieux aussi. Non, quand il y a du respect quelque part, il faudrait que le respect reste... Bah, le respect, c'est de te dire ce que je pense de toi, Karine. C'est ça, le respect. Le respect, c'est d'avoir les couilles de te dire que je pense que tu me manipules, que tu essayes en tout cas de me manipuler. C'est ça, le respect, Karine. C'est ça, le respect. Oh, les étoiles de ça. Oh là là. L'hydratation de ça. Tu as déjà beaucoup parlé, il faut s'hydrater aussi. Merci, Tata Alexandra. Tu es goût. Tu es goût. Mais toi qui bavardes sur ma page depuis plus d'une heure là, donc toi tu n'es pas Tinda. C'est les autres qui sont Tinda, hein. Toi tu n'es pas Tinda. Tu penses que moi mes abonnés peuvent venir se fatiguer leurs énergies pour commenter chez Karine. La seule personne qui s'est bagarrée à faire ça là-bas, c'est la tontina de Marcel. Parce qu'elle, elle a mal au cœur. Quand elle voit ses deux préférés se prendre la tête. Mais moi, je lui ai dit, elle est libre de rester là-bas. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Voilà. Nous, en bas, non. Tu ne vas jamais voir mes abonnés aller s'asseoir chez les gens pour les insulter. Mais quelle perte de temps, non, mais attends. Quelle perte de temps et d'énergie. Non, on ne peut pas. Non. Pour faire quoi? Merci, Sissi. Non, non, je suis remontée loin. Mais la dame qui ne fait que mettre les trucs là, je ne vois pas ce qui apparaît. N'apparaît pas. Ça veut dire que j'étais sûrement déjà bloquée. J'étais sûrement bloquée. C'est à cause de... C'est à cause du truc que ça que tu apparais ici. C'est à cause du logiciel que tu apparais ici. Tu n'apparais pas sur mon truc ici là. Sûrement, j'étais là bloqué. Tu ne fais que rire, maman. Exprime-toi, non? Ou bien tu t'exprimes seulement là-bas chez Karine. Ok. Oh. Ou bien ce que j'ai à dire, finalement, ça vous intéresse. Ce que la folle que je suis a à dire. Ah! Faut leur dire ça. Moi, je suis pas dedans. On te s'en fout. Je suis extrêmement fatigué, mais vraiment fatigué. Non. Et par les événements au Cameroun et par ma vie, je suis exténué. Oh, ça se voit pas. Et là, je suis essayé de perdre du poids. Donc, vraiment, toute est fatigué là, mélangé. Oui, pour ressembler au cigare. Ouais, cœur. On m'a toujours dit que je n'étais pas n'importe qui. Toi-même, tu l'as dit au début de ce live. Que je vous disais que vous m'avez fabriqué. Que je n'ai pas confiance en moi. Que c'est mon travail qui m'a fabriqué. Tu crois que je ne sais pas ça? Quand je dis que vous m'avez fabriqué, c'est que contrairement à toi qui est arrogante comme tout. Contrairement à toi qui est une perverse narcissique. Je sais reconnaître l'apport des gens dans ma vie. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte d'être reconnaissante. Tu vois un peu? Je n'ai pas honte d'être reconnaissante. Quand je disais que vous m'avez fabriqué, ça ne te choquait pas. Tu n'es jamais sorti dire que non, aussi, elle ne dit plus ça. Mais maintenant qu'elle dit que tu as bouffé mon aura, ça te fait mal. Pourquoi? Tu as bouffé mon aura? Mais tu es libre de te désabonner, celle qui dit vice-versa, là. Pourquoi tu es encore là? Moi, je ne vous comprends pas, hein.
Moi, je ne te vois plus depuis que j'ai critiqué, pas Vassiro, depuis que j'ai critiqué Calibri. Moi, je ne te vois plus. Tu reviens aussi. Pourquoi? Est-ce que vous m'avez manqué? Vous ne me manquez pas. Vous me servez à quoi? Toi, d'abord, même 5 francs, tu n'as jamais envoyé ici. Donc, tu me sers à quoi? Partez. Par contre, moi, mes abonnés donnent les étoiles. C'est pour ça que vous étiez ici. Jusqu'à dire que finissez vos étoiles ici. Finissez vos étoiles ici. C'est ce que vous disiez à mes abonnés, non? Et vous venez me parler des étoiles à moi? Vous qui ne faites pas ça pour vous? Qui faites ça soi-disant? Soi-disant pour le combat? Mais vous dites aux gens, finissez vos étoiles ici. À nos abonnés quand même, parce que vous savez que ce qui reste là, ils vont déposer chez moi. Vous voyez comment vous êtes? Des vieilles sorcières. Moi, vous voyez là, je vous imagine avec les dents sautées. Avec les... Vous ne vous affichez même jamais. Vous toutes là, les vieilles sorcières, là, on ne connaît même pas vos têtes. Même celles qui ont commencé à faire les lives là, vous ne montrez pas vos têtes. Et vous dites que vous combattez pour le Cameroun. Non, vous ne montrez pas vos têtes pour pouvoir voyager tranquillement, aller au pays et profiter. Profiter des frais du village. Hein, étonne de luxe. Tu caches ton visage comme ça, quand tu vas aller là-bas, tu vas parler en bêtise tranquillement dans les ministères, on va t'aider. Sans problème. Je n'ai pas les moyens de mettre en danger ma santé psychologique. Non, pardon. Non, non. Je ne veux pas que je sois attaqué. Du tout. Mais c'est la mienne que tu attaques. Les Camerounais sont tellement devenus susceptibles que ces Camerounais ne peuvent plus entretenir une relation saine. Mais les gars, mieux. Mais Karine, tu te prends vraiment pour quelque chose, hein? Seigneur. Les Camerounais sont devenus tellement susceptibles qu'ils ne peuvent plus entretenir une relation saine. Tu parles de qui? Call from +33 675 7405. Oui, allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, à quelle heure? C'est que non. C'est que je vous rappelle. Merci. Fréquente virtuellement depuis à peine 3 mois. Tu mets ça dans la balance pour parler de relations saines. Mais Karine, tu... Il faut que tu baisses d'un cran. Hein? Tu te prends vraiment trop au sérieux, Karine. Moi, je n'ai jamais voulu avoir quelque relation que ce soit avec toi. C'est toi qui es venu t'imposer dans mes lives. Et ce sont nos abonnés qui voulaient à tout prix qu'on s'entende. Sinon, moi, je m'en fous de toi. Moi, je t'attaquais déjà avant. Pourquoi tu peux faire la comme si c'est la résultante de notre relation? Non, moi, je t'attaquais déjà avant. Je suis juste revenue à ce que je te faisais déjà avant. Parce que après t'avoir côtoyé, j'ai accordé le bénéfice du doute à nos abonnés. Je t'ai accordé le bénéfice du doute. Et maintenant, il n'y a plus de bénéfice, il n'y a plus de doute possible. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Pourquoi c'est difficile à comprendre? Moi, je ne comprends pas. Attendez, je coupe le live si je relance. Ça ne chauffe même pas. On est au coin. J'ai fini avec le live ici aujourd'hui. Je ne vais pas perdre mon temps à parler de toi tous les jours. Je n'ai pas envie. Mmh.
Je relance. Je les bloquer tous après. Josiane Ndala, dès que je coupe là, je te bloque même d'abord. Je ne sais pas si elle avait relancé le direct. C'était seulement pour dire à Karine Bibian que Karine, quand la petite Sima Oshila m'a insulté ici là, quand m'avait insulté ici, uniquement parce que je n'ai pas pris son parti, jusqu'à que ma petite fille était obligée d'insulter que pétasse ici à Facebook. Comme tu veux être amie avec tout le monde là, tu peux accoucher Oshila. Tu peux être sa maman, même sa grand-mère même. Quand vous aimez moi, aide-moi à détester à Facebook. Donc, c'était pour te dire que, c'est pas tu as acheté l'amitié avec Oshila. Voilà alors la vidéo là alors. Oshila, elle est, comme vous dites que comme je suis là, sans confiance. Donc, moi je suis sans confiance. Donc, voilà les gens qui étaient hier ensemble. Hier ensemble, t'as l'amitié de Facebook. Voilà ça. Toi-même, une petite fille comme ça, t'insulte, toi, maman. Tu dis que bientôt, tu auras 58 ans, tu auras 50 ans. Hein. Karine Bibian, tu auras quel âge? 50 ans. Hein. Quand on te voit, quand tu parles d'une voix d'une femme qui... Tu as déjà 70 ans. Moi, je n'ai pas bien t'insulter. Hein. Mais tu es parti entrer dans un truc. On dit que marcher avec les enfants sont toujours avec des problèmes. Voilà une petite fille. Qui est suite une grand-mère. D'abord, tu vas parler quoi avec elle? Quelle affinité, quelle amitié tu peux faire avec Oshila? On t'a dit qu'Oshila a des temps. Oshila même qui a insulté sa propre mère. Hein? Une personne qui insulte sa propre mère, tu vois qu'elle peut te respecter. Oshila est que quand il manque de sujet. Mais moi, c'est comme ça, même comme je vous ai fait écouter ces trucs-ci. Elle va encore me prendre dans sa vie aujourd'hui, mais comme je m'en fous d'elle, on sait là qu'elle est comme ça, donc du coup, on va dans les webs. Comment ça, maintenant que je suis réveillé comme ça, donc nous on la laisse même. Ça ne sert à rien. Je faisais sur la direct, c'est pour te montrer que tu as chier sur toi-même. Parce qu'il y a des choses, qu'il y a des gens qu'il faut éviter ici à Facebook. Il y a des choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter ici à Facebook. Toi, vous n'évitez rien. Vous avez commencé, c'est pour le combat. C'est pour le combat. Maintenant, vous n'êtes plus dans le combat. Voilà alors ta personne qui t'a insulté. En plus de ça, c'est toi qui l'envoie insulter Flore, mais insulter tout le monde. C'est toi qui es derrière tout ça. Le combat est fini. Fermez vos caméras. Ouais, mais ouais, respond, journée. Mange ma bague, je t'en comprends. Donc, jusqu'à 10h25. Bon, je vous laisse. Bonne journée. Si j'ai le temps, je reviens. Merci à tous.